Hello! Bonsoir! Bonsoir, bienvenue à tous! Bienvenue dans ce stream dimanche, du soir. Dimanche soir, du dimanche. Oh merde! Dimanche. J'ai pas lancé le bon. T'as fait quoi? J'ai lancé merci, ciao! Coupe ton son! Je regarde si c'est synchro. Ah. Synchro! Synchro. Je regarde si c'est synchro. Oui, c'est on synchro. Est pas mal, on est pas mal, la synchro est bien. Bonsoir. Je disais ce stream du dimanche 5 décembre. 2021. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là hein? Pourquoi il est trop vers moi ce micro? Non, il est pas assez vers moi. Mais oh, et moi Sophia, je... toi. Et je vais un peu de micro, moi. C'est bon, il est vers en moi. L'actualité de ce dimanche, alors nous avons les annonces. On est dimanche soir. J'espère déjà que vous allez bien. Hello Daminou, hello Romain. Mais moi je vais me pencher comme ça en mode Romain. Mais toi là. Bien là. Mais j'ai le bout de popcorn. Tu peux décaler tes pieds. Vous avez vu le bout de popcorn? Coucou, salut. Vous l'avez vu? Eh ben, vous il l'avez plus vu. Lui aussi, je m'en fous. Hello. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est toi ah, avec la souris. Oh là 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 là. Oh mais c'est là le bordel. Là. Oh là là. Mais le micro, il est vraiment vers toi. Tu t'es pris pour Lady Gaga ou quoi? Bonsoir, Rolin. Bon, on voit que c'est ta première fois chez n'est, nous. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Olin. On est un peu... Alors, d'où viens-tu, Olin? Enfin, pas d'où viens-tu ou habites-tu? Il vient de l'Olympe. Comment tu nous as trouvé? C'est là où il y a comment tu a nous as trouvé? Est-ce que tu nous suivais déjà, mais tu n'écrivais pas? Who ah non, viewer, c'est you? Nouveau viewer. Who are you? Oui, mais sur dis-nous tout, Twitch. Dis-nous tout, Olin. Sur Twitch. Hello, Lord Tuxedo. Hello, on a raté les gens. Hello, Bonnie. Hello, Freddy. Hello... Non, tu sais où j'ai déjà dit bonjour, 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 bonjour. Allez, je lance tout. C'est un vrai, c'est une cacophonie. Comme d'hab. Ah bah tu nous suivais sur YouTube. Ah bah très bien, Paulin. Et t'as décidé bienvenue, de venir là au final. Welcome, welcome. Comment on dit en japonais déjà? Bienvenido. Yoshiku, Yokoso, je sais même plus. Yoroshiku, non. Mais c'est pas Yoshiku, c'est. Itadakimasu. Mais non, c'est quoi? Il a acheté ma scène, non, je sais. Mais non, mais il a acheté ma scène, c'est pas bien vu. Je sais plus, on s'en fout. Est-ce que quelqu'un sait le dire en japonais? C'est le sujet du soir. Non, pour de vrai, on est sur. Donc vous l'avez vu. In the title. In the title. Mais c'est très intéressant. Ouais, je pense que les gens sont venus là ce soir, en ce dimanche soir, juste pour savoir que tu avais un bout de scotch sous la chaussette. Alors, qu'est-ce qu'on me disait d'autre? Premier stream pour moi, coucou les gars, coucou Amandine. Alors ça va super bien, j'ai fini les dernières commandes qui partent dès demain. Bah moi j'ai même pas fini. Mais c'est pas grave, ça sera fini. Ah tu as pas commencé à boire toutes les 3 secondes. Ah hein. Si j'ai soif. Donne-moi ta bouteille. Non, bah je vous suis sur YouTube. Je suis allé à l'hôpital donc autant vous voir en live pour une fois. Ah c'est... Bah j'espère que bah, ça écoute, va quand même, t'es à l'hôpital, on espère que ça va quand même pour toi mon... Voilà, on espère que ça... Que du coup on te rend pas encore plus mais entre guillemets pas grâce pas à ça tu as la chance de nous voir en live parce que tu as du temps je pense je sais pas si c'est une chance non pas. Je veux pas faire le foufou, je suis un peu fatigué, regarde mes yeux, ils sont tout fatigués aujourd'hui. Hello Astridoudou. Hello. Bonjour. Hello. Alors aujourd'hui my very favorite, on se retrouve pourquoi aujourd'hui? Because I love to speak English when Astridoudou is here. Ah, oh, don't be jealous because you don't speak English very well, just like me. Ah, tranquille, ça va, il m'empêche juste d'accoucher trop tôt. Ah, oh my gosh. Oh my gosh. What a great news. Je nettoie mes lunettes parce qu'elles sont dégueulasses, mais en fait, je suis en train de me rendre compte qu'elles sont encore plus dégueulasses quand je les nettoie avec un chiffon dégueulasse. Comment ça va ce soir? Écoute, pas trop mal, on va dire que pas trop mal. Demain c'est lundi. Et je reprends, c'est fini, vacances. Que s'est-il passé vendredi soir dans le live? Alors oui, ça a explosé. Vendredi soir, il n'y a pas eu de... J'ai tout préparé, j'ai préparé le stream, etc. Je pense que Twitch n'était pas avec moi, j'avais... je sais pas, j'avais pas de retour, ni dans le chat, ni nulle part. Alors, il n'y avait peut-être personne, c'est bien possible. Mais du coup, j'ai essayé de relancer, ça devait bugger, au bout d'un moment, honnêtement, ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté.
Et j'ai pas fait de truc, c'est pas grave. J'avais pas, franchement, j'avais pas trop envie, j'étais un peu fatigué en même temps. On en parlera de tout ça après. Donc voilà, on aura des trucs à vous dire. Alors, aujourd'hui, c'est les annonces Funko du mois passé. Là, on est au mois de décembre, c'est ceux du mois de novembre. Tout ce qui a été annoncé officiellement. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces au mois de novembre. Parce que c'est normal, pour la période de Noël, ils annoncent septembre-octobre. Et quand on arrive en novembre-décembre, en général, ça se calme parce que c'est un peu trop tard pour les fêtes. Et ça va reprendre plutôt, peut-être en décembre, voire que janvier, vraiment les annonces. Enfin, qu'il y aura beaucoup de choses. Mais il y a quelques petits trucs sympas, je pense, qui vont vous intéresser ou peut-être pas. Si vous intéresse pas, bah allez vous faire. Oh mais non, je rigole. Sérieux, mais... Je rigole. Salut Cindy, es-tu toute seule ou êtes-vous deux aujourd'hui? Dans ta tête, on Lindsay, sait que t'es au moins. Désolé, cinq. C'est bien Lindsay. Oui, c'est Lindsay. Oui, c'est non mais moi les prénoms, j'ai du mal à les retenir. Lindsay. Il faut que je les voie 50 000 fois. C'est un truc de fou. Mais tu resteras le temps que tu voudras et que tu pourras à cette douille. Au pire, tu t'endors devant, c'est pas aucun grave. Aucun souci. Elle prépare le thé. Ok, d'accord. Ah, elle prépare le tranquille. Thé, la chance. Elle nous en amène aussi, j'espère. Il est à quoi le thé ce soir? Non, parce que le thé le soir, mais après, je. C'est pas grave, il est à quoi le thé? Je vais dormir et je vais me le pisser. Je veux savoir. Montre-le-moi ton thé, nanan thé. Ah, mes oreilles. Alors, on ne va pas tergiverser. On va pas tergiverser pendant 10 ans. Putain, j'arrive pas à le dire. Et on va partir sur les annonces. On rappelle que ce sont les annonces officielles de Funko. Annoncées. Qui ont été annoncées officiellement par Funko, officiellement au mois de novembre. Voilà. Sauf les annonces dont on avait déjà parlé la fois d'avant. Celle sur Mickey. Ah oui, le tout on a le château, avait parlé qui avait été annoncé officiellement le 1er novembre Vu qu'on avait fait décaler là non, on s'est arrêté au 30 voilà. du 2 en gros du 2 novembre au 30 novembre. It's very pressy. Alors, j'ai regardé Haters avec Kev Adams ce week-end, c'était nul à chier, je vous le déconseille. Bon, tant mieux, on ne voulait pas le voir. Merci Romain, de toute façon, moi tu me dis Kev Adams, j'ai envie de me tirer une balle, donc voilà. Donc je ne regarderai pas. Ah, ça bosse pas demain Cindy, bah c'est cool. Prenez plein de thé pour rester éveillé toute la nuit pendant tout le stream. De Noël et un thé. Ah non, Freddy, ça y est, commence avec le générique de Joséphine Ange Gardien. Ah non, c'est pas Joséphine Ange Gardien à mon avis, c'est ton... C'est ton saxo? Ah, c'est tut. Je pense que c'est ça. Mais ça peut être les deux en fait. Bah oui, parce que tut. Non, regarde, tut. Il y a pas un emoji, il y a pas un emoji saxo? Si, il doit avoir du saxo et des notes. Je ne craquerai pas normalement, je ne collectionne plus les pop. Et bah t'as bien raison, Hollande, de ne plus craquer parce que ça fait trop de pop à force. On a trop de pop, on sait plus où les mettre. Même nous, on craque quasiment plus, on achète quasiment plus, parce qu'on sait pas où les mettre et que voilà. Déteste Kev Adams, il est pas drôle. J'attends toujours les pop de la Bébête, moi. Ils les ont annoncés, mais elles sortent quand en boutique? C'est vrai. Elles sortent quand? Nous, on les attend. Donc, c'est Amandine, c'est Cindy qui disait ça, hein. Mais moi, je suis d'accord avec toi, je trouve on pas le marrant. Déteste, il est très faux. C'est Vazon, c'est un mec qui a été pistonné de base, hein. Donc. Il est voilà, c'est SOS Fantôme, ça me donne plus envie, mais bon. Ah, on verra bien. Non. Ah mais non, mais c'est le nouveau encore, c'est ça. Ouais. J'en ai 300, je sais plus où les mettre. Ah bah t'es comme nous, on en a à peu près le même nombre aussi. On est dans les 300 quelque chose. Alors, si certaines nous intéressent, tu peux toujours nous les envoyer si tu veux. Oui, on prend les cadeaux sans problème. Voilà, c'est aucun souci. En plus, c'est marrant car au début, pour présenter les acteurs, ils ont écrit encore un film pas drôle avec ah bah tu vois, c'était... ils savaient d'avance que c'était nul à chier. Oh my gosh. Ok les gens, on va commencer parce que sinon vous savez que nous on adore blablater, on pourra blablater. Je cherche le bouton magique. En même temps, annonce Funko. Bip. Et déjà la musique est déjà en mode annonce Funko. Waouh, quel professionnalisme. Et on va mettre le numéro 1 parce qu'il y en a moins que 100. Donc... Nous commençons avec les super-héros. Et c'est DC au cours du mois de novembre, il n'y a pas eu grand chose, vous allez voir. Bon, il n'y a pas eu grand chose au cours de toute façon. Ouais, mais encore moins que d'habitude. Alors, qui est ce personnage? C'est dans l'univers de Batman. Non, alors on rappelle qu'on a pas la science infuse. On ne connaît pas rien en série, en film, en musique et en super-héros. En vrai, on connaît rien. Voilà, donc c'est tu. Hello, Lily Orca. J'aime bien le style du perso. Oh, coucou, Tromfae. Je sais pas comment ça se dit.
Je sais pas. Je ne sais pas d'où tu viens aussi, mais n'hésite pas à nous dire. On ne te connaît pas. Qui sont ces gens qui arrivent comme ça pour la première fois et tout? Ah! Ah mais oui, Moon. C'est vrai. Bah, oh non, oh, c'est Moon. Mais pourquoi il y a écrit First Time from Viewer? Parce qu'avec ce compte-là, elle n'était jamais venue. Et il me semble qu'elles avaient fait un compte Rocket Girls. Ah mais oui. Ah bah effectivement. Hello on te Moon, connaît. How are you today? Tonight. Are you happy to be here and to watch us doing no, bref, on s'en fout. Ah bah si Amandine, tu vas voir, tu vas avoir une surprise. Je me disais que le nom disait non, quelque chose. Non, t'auras pas de surprise. Tant qu'il, quoi, tant qu'il y aura Noël, il y aura d'espoir. Tant qu'il y aura... Pourquoi tu dis ça? Personne n'a dit ça. Non, tant qu'il... Moi, je vois tant qu'il, je pense à... Tant qu'il y aura Noël, il y aura de l'espoir. Vous êtes en forme. Alors, ouais, c'est peut-être un mélange de fatigue de... Ah. De l'esprit de Noël et de pas envie de bosser demain. Ouais. Valide ton B2. Ah. Parce que t'as je parlé. Je suis pas B2. Amandine n'a strictement rien compris de ce que t'as dit, c'est pour ça. Il faut que elle je refasse. Dit, bah, que je refasse. Je pense que c'est B3 aussi, toi. Le CECRL. Ou Bécaro. Mais non, ça n'existe pas après, c'est Thierry Bécaro. BK. B4. C'est comme dans les restaurants chinois. Non, surtout chinois, que là, franchement, c'est parce que. Tu veux le B1, j'ai B2, honte et tout. C3. Normalement, je parle quand même mieux anglais, mais là, voilà, je veux pas mettre mal à l'aise Dimi et tout ça. Ah, tu je manges en mange vous regardant. En vous regardant. Et ben, j'espère qu'on ne te fera pas vomir. Du moment qu'il est pas P4. C'est quoi P4? Eh ouais, c'est Cindy, c'est quoi ta blague là? T'aurais dit P3, j'aurais dit PQ, on connaît, mais P4. C'est genre le club là des dans les well. Dans Charmed, ouais. Mais je ne comprends pas là. Il faut m'expliquer. Et moi, tant qu'il n'y a pas Mickey, car ça les objets de collection Mickey, j'en ai environ 100 et plus de oh là là. Il y a pas de Mickey là, je crois. There is no Mickey. Ah, tu nous entends pas, Bonnie? Bah sympa. Non mais on dit que de la merde de toute façon. Alors c'est parti, qui est ce personnage? Vous ne savez pas, c'est pas grave. On vous annonce qu'il y a ce personnage de l'univers de Batman qui arrive. Personne ne le connaît parce que là on vous a laissé largement le temps. Donc il y a elle, voilà, elle est cool, on s'en fout. Univers de Superman. Voilà. Un monsieur qui a l'air énervé, qui a des genres d'éclairs chelous. Ouais, éclairs ou de la en glace. En fait on dirait une espèce de Superman mais vénère, électrique, glace. Je sais pas. Regarde son truc, c'est le logo Superman, on est d'accord? Ah bah alors c'est super électrique. Ou c'est... comment il s'appelle? Caleb? Ou je sais plus comment il s'appelle là, son vrai nom. C'est qui Caleb? C'est, je crois que c'est le vrai nom de Superman. Bah non, c'est... ok, peut-être. Je sais plus, hein. Moi je me rappelle de ça, je crois, en ayant vu Smallville, série qui devient extrêmement nulle à chier très rapidement. Ah ouais. Attends, P4, on disait ça quand on était petit. Le P4, c'est la catégorie reclusée. Ah, de l'armée, genre ce... Ah, alors là, franchement, pardon, mais je n'avais absolument pas la référence. Ah bon, on ne savait pas du tout. Ils sont beaux comme pop, quand même. Oui, oui, ouais, non. C'est juste qu'on... Kal-El. Ah, merci. Oh, j'aimais le... Oh. Parce que Caleb, c'est genre un nom israélien. Caleb, ouais, je sais pas d'où... Caleb, je sais pas. C'est si. Un perso dans Fire Emblem, un truc comme ça. Le père de Superman, peut-être. Oh, bah écoute, on ne sait pas. Maybe. Voilà, Superman et Flash, ouais, c'est un mélange. Pouf, ça fait des chocs à pic. Ah, qui a écrit ça? Et une de plus, mon chéri va craquer, abuser, je sais en pas. En fait, j'essaie de lire là, le retour sur l'écran, alors que j'ai le téléphone. Bon, on passe au suivant, personne ne sait. Oh my gosh! Non mais la Wonder Woman, elle commence à me saouler parce que ça fait 500 ans qu'elle est là. On fête l'anniversaire Wonder c'est bon, Woman. C'est 80 ans, là, ça fait au moins 100 ans. Et c'est quoi ces c'est horrible. Bah, c'est... Deux pop, un K-Chain et deux peluches. Après, la pop là. Non, non, c'est les peluches qui sont un peu. Non, non, on s'arrête pas sur les celle peluches. Où elle a une cagoule là, avec un pic en de métal. Teletubbies. Mais l'autre, je la trouve très jolie. Hein. Non, mais elle est canon, c'est clair. Mais ces peluches, c'est. What the fuck? What the fuck? On sait pas. Oh, écoute. On continue, on passe à Marvel. Et là, on a une flopée, un pack de 5 Captain America. Astrid nous disait a juste dit que les peluches, on aurait dit des trucs de pêche au canard, c'est trop ça. Ah grave, même pêche au canard, je crois que c'est plus joli. Donc ça, ouais, un 5 tu comment dire, pack. Un peintu pack. Un peintu pack. Un peintu pack, c'est très moche. Un 5 pack. Un 5 au pack. Avec que des Captain America. Ok. Ouais, c'est, je pense, c'est une genre d'évolution. Ouais, c'est ça. Ouais. Sympa. Toujours dans l'année du Shield, là, l'année du bouclier. Ah,
La Pop Superman est un Superman Wizard du comics du même nom. Ok. J'adore quand vous nous rapportez les infos comme ça. J'adore ça. Je les retiendrai pas, mais... Mais on adore ça. On est très contents. Ensuite, nous continuons avec des pop, avec des visuels de comics. Ouais. Est-ce que c'est juste une image? Oui, c'est juste une image, c'est pas un comics qu'il y avait. Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'apporte pas. Non, pour moi, c'est comme le coup des oui, disques, oui, oui, là, des je CD. Pense... Si, je pensais ça. C'est le visuel c'est du comics avec quand, la pop. Parce que quand c'est des bundles avec un comics, c'est pas présenté comme ça, ouais. Il y a vraiment le comics. À droite, je vois pas ce que c'est. Vengeurs. Vengeurs. Avengers, je pense. À gauche, c'est WandaVision. WandaVision. Oui, c'est Vision écrit. Je sais pas. Vision. Bah oui, Vision est écrit. Ouais, bah ouais, c'est Vision. Ça. Mais à gauche, c'est Scarlet Witch et c'est Wanda aussi. Hein. Et oui, mais il écrit Vengeurs. Oui, bah c'est dans les Avengers. T'as Scarlet Witch et Vision, des Avengers. J'adorerais avoir ce avec les visuels, c'est juste un décor derrière, mais c'est beau. Ouais, c'est sympa, mais je vois pas l'intérêt. Encore une fois, j'ai vraiment du mal. En fait, c'est beau, mais il faut les laisser dans la boîte, quoi. Salut, Kevoslam. Ah, ça fait longtemps, effectivement. Ah, c'est marrant, ça remet genre viewer machin, premier machin truc chat, mais il était déjà venu, Kevoslam. Peut-être pas sur Twitch, ça me dit rien. Ah! Sur YouTube, oui, mais pas sur Twitch. Ah, bon, peut-être bah, ça. Bienvenue à toi! C'est écrit Avengers, oui, on voyait pas bien le A, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Moi, ouais. Ah, je lis Vengers, hein. C'est les Vengers. On continue avec un truc de Deadpool. Ouais, Deadpool en écureuil. Écureuil. C'est un écureuil, une genre de marmotte, c'est quoi? Ah, c'est une marmotte? Je sais pas. Non, c'est un écureuil, ça. Déjà, c'est un écureuil. Un capybara? Non, c'est un... à chaque fois, il sort capybara partout. Où... Dès qu'il envoie, il faut qu'il sorte capybara. Ah, ça va? C'est quoi ce truc chelou? C'est un écureuil Deadpool. Tu es con carné ou quoi? Qui est jumbo size, parce un qu'il existait déjà, je crois, non. Et floqué. Non, il a pas une tête de kangourou, les gars. Mais non, c'est pas un rat, c'est un écureuil. Ah, c'est peut-être un rat. On voit pas sa queue, on sait pas. C'est nanan. C'est quoi ce truc chelou? On dirait le rat des Tortues Ninja. Ah, j'avoue, on dirait Maître Sprinter. Splinter. Splinter, je sais plus. Oh là là. Springles. Splinter. No ouais. Comment. Oui, et la convention belge a été annulée. Ah. Oui, il a failli rencontrer le doubleur de Morty. Ah comme oui, il avait fait avec Rick. Dommage. On y a Scrat de l'âge de glace. Ah bah aussi, bah voilà. Ah, c'est tout ça que je voulais dire. C'est tout ça à la fois en fait. C'est bon. Rémi de Ratatouille mélangé avec Tic et Tac, avec. Voilà. Mais en version. Deadpool. Voilà, on dirait Maître Splinter, on est d'accord, merci. On est tout à fait d'accord. Toujours voilà. Deadpool. Ouais, on a, c'est quoi ça, c'est des pop. Il y a des pop, il y a un peu de tout là. Il y a des pop, il y a des pop pens, il y a des. Il y a des lanières, carrément, ils font des lanières maintenant. Ils nous volent l'idée ou quoi, des lanières? Ça va, c'est pas Disney. Et voilà, alors c'est des trucs, il y en a pas mal en mode un peu. Je sais plus comment ils appellent ça. Light. Dark light, je ouais, sais pas, les néon, trucs néon, light. Néon là. Je sais plus. Je déteste enfin... ça, les trucs néon. C'est non, ça peut être sympa en... dans le style, mais. Ouais. Ah mais Deadpool, ils arrêtent pas, Cindy. Hein. C'est tout le temps comme ça. Ils aiment bien en faire beaucoup. Mais bon, moi, il y a du choix. Il y a, on va pas se plaindre. À plus. Ensuite, nous avons Groot version Noël. Ils l'ont pris pour un sapin. Je crois qu'il existait déjà, hein, c'est juste que... je sais pas. Non, pas, on avait déjà un Groot de Noël. Ouais, mais il était pas comme ça, hein, c'était pas mais, un baby Groot. Il était peut-être pas Glow in the Dark, je sais pas. Il est mignon, hein. Ouais, il est mignon, les gens, on est d'accord. Je trouve que c'est rigolo, du coup, avoir quelques pop de Noël, comme ça, nous, on en a quelques-unes qu'on sort pour la déco de Noël, justement. Ouais. Et puis c'est mignon, c'est comme si c'était un petit sapin de Noël avec l'étoile comme ça. C'est... Non, franchement, l'idée est pas mal. Ça peut être rigolo. L'idée ouais, voilà. Rentre bien en les fait. Les gens trouvent ça mimi. Mimi. Des sacs. C'est vrai que de temps en temps, on voit, ils pop des sacs. Et il y a des sacs carrément avec des visuels de pop. Très moche. Le Spider-Man, il est vraiment vilain. Bah, à la rigueur, le truc avec tous les motifs, tous les logos, je sais pas ce que c'est en haut, des têtes de pop. Non, moi quoi. J'aime bien celui à droite. Why not? Je suis pas très fan, moi, quand c'est trop figuratif, celui de Spider-Man. Non, Spider-Man, il est vraiment affreux. C'est... No way. Je sais pas. Ah, ils sont pas ouf, hein, les sacs. Qu'en pensent les gens?
J'aime vraiment pas celui en bas à gauche. En Greg, t'endors pas. Mais non, mais j'ai l'impression d'avoir un cheveu ou je sais pas quoi ici, ça me stresse depuis tout à l'heure. Ça s'appelle un cil. T'es con? Ça me stresse. En ayant des ball launch fly, on dirait des cartables de matériel. Et il faut espérer que ça coûte pas cher, hein, parce que les launch fly, c'est pas. Des fois, Funko fait des collabs avec launch fly aussi. Oui, là, c'est vrai. Ouais. En fait, ça fait truc vraiment hyper enfant. On dirait vraiment des trucs pour les gamins, ouais, pour l'école primaire. Le coût du cartable, c'est vrai que c'est ça. Hein. C'est ah, c'est kitsch, hein, c'est kitsch. Venom. Alors pour le coup, la Chase est vraiment, vraiment plus sympa et plus intéressante que la classique. Ah, grave. Parce que je trouve que ça fait moins la tête écrasée comme ça, là, enfin, étirée. On dirait un masque de Squid Game, autrement à gauche. Mais sans la croix ou le rond. La forme de la tête, je parle. La forme de la tête de Venom, ça fait la forme des masques de Squid Game ou des Scream. Ok. Ou des Scream, on s'en fout, c'est pareil. Why not? J'essaie Pop Spider-Man, je la trouve pas très belle. Ah bah. Ah, mais la vieille Pop, c'est une vieille Pop aussi, Olympe. Ensuite. Ah bah ce truc c'était, je trouvais ça super stylé, je ne sais pas ce que c'est dans What If. What If. Mais, c'est du Festival of Fun qui est... Alors Festival of Fun là, c'est les annonces pour la ECCC, où il n'y a honnêtement pas eu grand chose. L'Emerald City Comic Con. Tout à fait. Où généralement ils aiment bien faire pas mal d'annonces de pop verte, là j'ai pas tout retrouvé. Ouais, il n'y avait pas vraiment du vert j'ai l'impression, ouais. On verra bien après, il y aura le petit récap à la fin, mais honnêtement... c'est très 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 anecdotique. Je suis pas fan des sodas. Ouais, les sodas, c'est rien, ils sont sympas, mais ça dépend. Vraiment, ouais. Ça dépend. Moi, ça dépend, je trouve qu'il y en a certaines qui sont vraiment vraiment canon. Mais il y en a des fois, on en reparlera à la fin vraiment, de la vraiment vraiment moche. À la fin de la vidéo, c'est Doctor Strange qui a bouffé tout plein de monstres louches et il devient ça. Mais j'arrive même pas à reconnaître un bout de Doctor Strange dedans. On dirait un truc de Donjons et Dragons. Ouais, oui, ouais, voilà, ça fait Donjons et Dragons, on est d'accord. On est d'accord. Nous avons des Mystery Minis. What if? Oui, si, il y avait sa ceinture du coup à Doctor Strange. Ah oui. Toi? Ah oui, il y a la ceinture. Et c'est pas mal, je trouve. Il y a plein de persos. De what if. What if. What if, point, 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 interrogation. Et elles sont pas mal du tout, les Mystery Minis. Ouais, ça peut être pas mal. C'est comme d'hab, il faut voir les raretés, à mon avis, ça va être toujours pareil. Vous allez avoir celle du haut en quadruple exemplaire et celle du bas, une chance sur 1 million de les avoir. Non, comme c'est pas forcément celle du haut. Hein. C'est au pif, je dis. C'est en A4 qui sont. Oui, mais je dis au pif. Bah, je pense que la Dr. String, il doit être quand même rare parce que il fait beau, tu vois, comme ils l'ont fait et tout. Oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Alors là, mais tu te fourres le doigt dans l'œil. Ouais, son canon, on est d'accord. Ouais, il est d'accord, le Dr. String, il est beau. Docteur, docteur étrange, Amandine. Ça t'a traduit, je pense. Ah, t'aimes pas les visages. Ouais, il faut aimer, c'est vrai que c'est particulier. C'est... ouais. Why not? Alors ça... C'est SOS Fantôme. Mais oui. Mais pourquoi il devient comme ça? Parce que dedans, Cindy, elle va te dire, parce qu'elle connaît très bien, je pense, SOS Fantôme bien mieux que moi. Mais effectivement, à la fin du film, t'as des genres de créatures... Ou pas qu'à la fin du film, même. T'as des créatures comme ça. Mais c'est lui? Ça, je sais plus. C'est lui qui se transforme? Dites-nous, c'est dans quelle scène de Ghostbusters? Parce que ça n'a aucun sens, sinon. Je sais plus du tout. Ça n'a strictement aucun sens. Si, t'as un faux truc égyptien et tout, non? Ah, il est transformé en chien, oui. Ah, voilà. Au fait que de bailler. Ah, mais là, c'est toi, tu m'as... Oui, mais j'ai froid. Tu m'as pourri mon groove. J'ai froid. J'ai très très froid. C'est pas mal, hein. L'idée est vraiment pas mal. Hein. J'ai eu froid toute la journée, moi. Bah voilà, yes. Voilà, on a eu... Donc, là, pour le coup, c'est une chase de... C'est une vraie chase. C'est là, rien à dire, quoi. Ah, c'est le nouveau film. Il se transforme en créature. Bah super le spoil, moi qui avais tellement hâte de voir ce film. Et bah maintenant, non. King Kong. King Kong. King Kong. Pour ceux qui connaissent Samantha. Alors, la chaise, elle est juste floquée. J'ai envie de prendre pour un débile. King Kong. King, c'est la sonnette de la porte. King Kong.
le sketch, c'est ils font des Samantha, mimes. Oups, Samantha, elles font des mimes, elles font des mimes, Samantha et Chantal. Et du coup, alors Chantal a fait deviner un truc. Film. Et après, Samantha a fait ça, comme ça, elle fait ça. Et Chantal, ah, le facteur ne sonne jamais deux fois ou je sais pas quoi. Et l'autre a dit, bah non, King Kong, King Kong, King Kong. C'est tellement nul, mais c'est tellement drôle. Je m'en remets pas, cette scène, on se l'a fait avec Caro sans arrêt. Ouais, tu vois. C'est vrai? Je suis pas le seul stupide à faire King Kong. Oh, putain, c'est tellement bon. Oh là là. Elle est pas ouf, la chaise, là. Elle est vraiment, vraiment pas ouf. Hein. De King Kong. King Kong, Ding Dong. Bah, lui, il s'appelle Ding Dong, alors. King Kong. Ah, j'en peux plus. Ça y est. On a enfin la révélation totale. Toutes les Harry Potter. 100% de Harry Potter. Je suis extrêmement déçu. Oui, parce qu'on les a vus du coup en mieux. On a vu en photo, en fait c'est que des façades. Oui, c'est très très plat. Je pensais qu'il y avait un peu de volume. Ce ne sont pas des pop town, mais ce sont des deluxe. Et ce sont des belles deluxe quand même là, pour le coup. Bonjour. Oui, non mais c'est que en fait je pensais tu sais que c'est pas que ça ferait toute une maison derrière mais tu sais un peu d'épaisseur. En fait ça fait comme une plaque d'un centimètre d'épaisseur. Salut JB en passant. Oui c'est pour ça que je lui ai mis un coucou. Mais oui mais on peut lui dire bonjour quand même. Et j'étais un petit peu déçu mais après c'est sympa quand elles sont toutes côte à côte. Et en plus la pop peut se retirer au final. Enfin elle est pas obligée d'être dessus quoi. Ah oui Amandine tu m'as tout gâché. Samantha oups. Il y a de jolies perles, par contre, il y a énormément de merde, pas drôle dedans, faut bien l'avouer quand même. Ouais, grave. Mais c'est culte. Moi, ça, je serais capable d'en revoir quand même, même s'il y a plein de nuls. Ouais, effectivement, c'est que des façades, les gens. Après, vous les mettez contre un mur en déco, hein, ça passe. Hein. Celle-là, je prends les 5. Ouais, mais je pense que pour les fans et tout, c'est quand même sympa. Surtout si t'as pas forcément déjà plein de pop. Alors, si Amandine, je crois que la pop, elle est même pas fixée dessus d'après les photos. En tout cas, on a vu un petit picot. Non, on a vu une photo où il y avait une pop qui était pas dessus, ce qui fait ça peut s'enlever en tout cas. Et si, il y a du relief, hein, c'est pas tout plein en mode saloon. Non, c'est pas un c'est dessin imprimé. C'est juste que c'est pas. La façade est en volume. C'est pas énormément. Mais l'arrière. Derrière, c'est tout plat. Vous voyez que c'est. En fait, c'est plat. C'est plat derrière. C'est ça, pour faire des décors de rue, c'est pas trop mal. Voilà. Vous voyez, c'est comme les décors dans les tournages de films où en fait c'est que des façades. C'est en volume l'avant, mais il n'y a rien derrière. Bah, c'est la voilà, même chose. Mais au moins, tu la mets contre un mur, limite, c'est bien, tu vois. Ouais, en fait, c'est genre les décors au Harry Potter Studio. C'est un peu ça. Au Royaume-Uni, là. Ah, apparemment, c'est la banque, elle est à la Fnac. Ah, on l'a pas vu. On y est allé à la Fnac et on l'a pas vu. Et on peut les enlever. JB nous voilà. Confirme. Ouais. Oui, non, c'est pas mal, hein, mais oui, tu peux changer tout à fait les ou ne pas en mettre, même. Exactement. Tu remets tout et tu fais genre avec les persos. Si t'as les mini pop, ça peut être sympa, tu sais, tu les mets devant. Ouais. C'est un peu plus. Ah oui, c'est cool, je trouve. Voilà, vous voyez, c'est pas cata, c'est juste qu'on trouve ça un peu dommage. Ça aurait été vraiment sympa si ça avait été des maisons un petit peu plus. Oui, mais en dans volume. Ce cas, ça aurait été pop town et ça aurait été beaucoup ouais, plus. Ouais, on est d'accord. Ouais, wow, quel est ce truc. Bon, alors, oui, parce que là, on était dans les films, hein, forcément, vous l'avez compris. Ah oui, c'est vrai. Ce truc-là, on voit souvent, là, Silent Bob et Jay, je sais pas quoi. Là, enfin, bref, personne connaît, je pense, donc on s'en fout. Et voilà. D'ailleurs, Harry Potter est sorti exactement aujourd'hui. Oui, effectivement, 20 ans, le premier Harry Potter. Oh là là, c'est pour ça que j'ai vu la vidéo du gars qui double Harry. Super. Et vous savez que c'est le même doubleur qui a doublé du premier film jusqu'au dernier. C'est juste qu'il avait 12 ans dans le premier Harry Potter, le doubleur français, et il a grandi avec le personnage en fait. Mmh. Ah, et tu peux accrocher les maisons. Ah, ça c'est sympa. Le coup de vieux, n'en parlons même pas, Astrid. Ouais. Wingardium Leviosa. Pas les vieux, ça. Ah, un Gremlins. Alors, ce truc-là, je ne suis pas certain de chez certains, mais pour le coup, c'est vert. ECCC, on est d'accord. Il m'écoute pas parce qu'il est en train de lire le message. Oui, je lis les messages en même temps. Ah, c'est à moi que tu parles, je croyais que c'était aux gens. Bah oui, mais c'est à toi aussi. Me semble-t-il que la chaîne de base, elle s'appelle Greg et Dimmy. Ah. Pas Greg, les gens, et de temps en temps, Dimmy écoute Greg. Ah, je viens de comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Que on dirait Dobby mais en version dégueu. Ou un Gremlins dégueu. J'ai dit pour le coup c'est vert là. Oui, mais c'est quoi Mandy ou Mandy? Eh ben, si tu m'avais écouté. Bah mais j'ai bien... Je te dis, je ne suis pas certain, je crois que ça vient d'un film et que c'est une créature, une genre de mascotte d'une fausse marque qui existe dans ce film. En tout cas, ce qui est sûr, c'est film, tellement pas c'est dans certain, la catégorie mais film. On voit, j'ai trouvé des genres de vidéos, des images où en fait le truc, il gerbe des genres de pâtes, d'accord. Des genres de trucs, tu sais, les bon appétit, bien macaroni sûr. Fromage ou je sais pas quoi. Okay. Et il est en train de gerber sur quelqu'un. C'est écœurant ton truc. Enfin, voilà, du coup, si quelqu'un connaît, écoutez, dites-nous. Ah super Sam Buck, un nouveau PC et tout et du coup tu...
Tu peux nous suivre sans que ça saccade, bah, c'est trop bien. Et dire que je devais regarder Harry Potter 1 pour la 200e fois ce soir. Oh, je sais pas comment tu peux, parce que franchement, de tous les Harry Potter, je trouve que le premier... Surtout en VF. Une VF En fait, à partir du deuxième film... Dégueulasse. À partir du deuxième film, on voit qu'il y a un gros changement, ça, que ça a changé de réalisateur. Ça devient déjà plus regardable. Ça a changé de réalisateur et on voit qu'il y a des éléments de décor où ils sont même plus situés au même endroit. Et après, t'as les derniers, là, les deux moitiés du dernier et peut-être celui d'avant où c'est tellement mais sombre et tout, c'est lent. Ah, c'est lent. Mou du genou. Franchement, lisez les bouquins, c'est tellement mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Harry Potter a 20 ans, j'avais 6 ans en 2001. Ah, bah, nous, on avait un petit peu plus. Les trois doubleurs sont suivis comme les acteurs du film. Ok. Dans Stream PF. Les vannes sont immondes, trop cool, on dirait Vamps version garçon. Ah. Nous? Ok. Après Harry Potter, je suis incollable quasiment. Ah. On est les vamps. J'adore les vamps. Connais pas. Bon, bah personne connaît, donc voilà. Donc c'est parfait. J'adore les vamps. Le meilleur Harry Potter pour nous, les livres. Aucun. Non, moi j'aime beaucoup Le Prisonnier d'Azkaban, je pense. Avec l'histoire, j'aime bien quand il y a des histoires de temps, de voyage dans le temps, de remontée de temps. Moi, je sais pas, je n'ai pas de préférence, je suis pas un grand fan d'Harry Potter de base. Je trouve l'univers hyper riche, mais je me suis jamais intéressé de ouf. Je préfère Disney. C'est la vie. Matrix, il y avait déjà eu des pop Matrix, non? Mais il y a très longtemps? Ou jamais? Si, il en existe. Hein. Bah voilà, pour les fans de Matrix, vous avez. Mais ça, c'est Matrix plein de... quoi? Matrix. Résurrection, c'est-à-dire c'est un nouveau? Ah oui, mais je crois qu'il y a un nouveau, ouais. Non, mais ils en ils refont tout. Ils en ont pas marre de reprendre les vieux trucs et faire des nouveaux machins, franchement, c'est chiant. Franchement, j'ai jamais accroché à Matrix. Trop hâte, bah en tout cas, qu'on hâte. Mais bon, pas terrible le coup de pub, le go Bilk qui vomit le cheddar, lol. Ah ouais, bah tu m'étonnes. C'est pour le prochain, oui, ils sont. Ouais, bon, c'est dans pas longtemps. Hop! Ensuite, enfin fini ce truc-là. Enfin qui, du coup, fini, c'est le dernier. Aura duré au minimum 7 mois. C'était des méchants, que des méchants Star Wars. Pas forcément que des méchants. C'était quoi, c'était en mode chasseur de primes, je sais pas quoi, mais. C'est pas un chasseur de primes. Bah oui, du Dark coup, Vador. J'ai pas compris pourquoi il y avait Dark Vador. Dark Vador, il est vraiment compté comme un chasseur de primes? Bah non, je pense pas. Ah peut-être, hein. Si, c'est un peu le chasseur de primes de machin là, comment il s'appelle De Palpatine. Entre guillemets. Pourquoi? Je sais pas, il chasse les primes. Non, je sais pas, franchement, je sais pas. C'est pour le... Ouais, c'est ok. C'est pour mieux faire vendre l'ensemble. Bah ouais, mais c'est tout le temps comme ça. J'avais vu Star Wars en entier. Jamais vu Star Wars en entier? Ouais, alors qu'est-ce que tu veux dire en entier? Un des films ou jamais vu tous les films? Je te comprends. Parce que franchement... Moi j'ai vu, mais c'est pas... Décembre avec Spider-Man et Matrix, ça va être la folie au cinéma. J'étais... Bah tant mieux, parce que les cinémas, ça galère, hein. Ça a beaucoup galéré. Hein. Toujours Star Wars. Or je ne sais pas du tout quel est ce personnage dans Star Wars. Il me dit rien. C'est peut-être dans un truc Star Wars, mais tu sais... Il a une grosse bouche et un gros nez, une non? Une série animée ou un truc... Je sais pas. Ah, moi je fous tout dans Star Wars généralement, sauf quand je suis certain que c'est une série ou genre je sais pas un jeu vidéo par exemple, mais sinon je fous tout dans Star Wars. Tu as juste vu ça avec Anakin, alors l'épisode 1, 2 et 3. Ah, c'est les plus potables à regarder, parce que franchement les autres c'est mou du genou là. C'est... Ah, les derniers sont pas mou du c'est genou, hein. Affreux. Et les derniers sont nuls quand même. Avec Rey du cul là, nul à chier cette meuf. J'ai vu un canto, il y avait personne au cinéma. Bah écoute, nous il y avait pas plus de 20 personnes dans la salle, c'était très calme. Hein. L'un des méchants dans Bad Batch. Bad Beach. J'aurais dû le mettre parce que j'ai mis tout à l'heure, il y a d'autres trucs de Bad Beach. On a mis ça. Vous savez un Gundam. Je sais plus comment on dit. Misa Misa machin truc. Et insupportable ce perso. Ils sont tous insupportables. Jar Jar Bing. Mais oui. Non, pas lui, il est insupportable. Mais il est rigolo. Nous, on l'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Oui, j'aime bien, mais c'est toujours des conneries. C'est une tête à claque. Jar Jar.
Voilà, il y en a plein, voilà. Missa, mon personnage trop marrant, c'est ça. Missa, non, trop chiant, Missa. Alors, on passe à Willy Wonka. Willy Wonka. C'est pour toi. Ouais, ça s'appelle Willy Wonka Chocolate Factory, c'est pas ça le nom Si, je pense que le nom original, c'est ça. Ok. On sait pas si c'est tiré du vieux film, du livre. On sait pas. Et c'est sympa d'avoir fait Charlie à chocolaterie comme univers... Il est pas trop mal, je trouve, comme vinyle soda. Il y a quand même une bonne différence entre les deux, on peut dire. Oui. Non, on est d'accord. D'accord, il y a le ticket d'or. Attention, il y a le ticket après, d'or. Après, bon... Voilà, vous connaissez mon... Il est pas drôle. Mon non-amour pour cet univers mégaloufoque avec un film où moi, je me suis emmerdé. Livre, non, il est pas comme ça. Bon, bah alors, c'est peut-être le premier film. C'est... Vieux film, vu l'image de l'acteur sur la boîte. Ouais, mais ça veut rien dire. On a déjà eu des exemples où... Non, mais il a un peu... L'image était méga rétro. Cette couleur de cheveux et tout, ouais, le vieux film. Je pense pas que c'est celui de... On est d'accord. Nul qu'on a vu. Bisous, Astrid Doudou. Ciao, ciao. Banana Splits, d'accord. C'est une marque. Non, c'est pas une marque. Série, ben non, Hanna-Barbera, série animée. Oh, tu crois que j'arrive à lire Hanna-Barbera d'ici? Ben, je te le dis. Je ne connais pas du tout ce personnage des Hanna-Barbera. Friegel, c'est un chien qui a un nœud. Friegel. Je suis presque. Qui a un nœud papillon et un chapeau. Voilà, rien d'autre à dire dessus. Ah, si, il a un pantalon. Pourquoi il a un pantalon? Et les chaussures? Chelou, chien. Non, c'est juste sa fourrure, non? Ah non, regarde, on voit que ça dépasse sur ses chaussures. Oui, bah tu crois que c'est normal qu'il y ait des chaussures déjà et un chapeau? Et qu'ils se tiennent debout? Comme les papes qui existent, c'est le premier film. Ouais, de Willy Wonka. Ouais, c'est ouf qu'il n'y a pas celui de Tim Burton. Okai. Yokai. Alors, c'est le genre la nouvelle série là, Disney+. Que tout le monde dit, c'est trop bien, je suis sûr que moi si je regarde, je trouve ça nul. Ça parle de quoi? On l'a pas vu, c'est avec Hawkeye, et tu sais pas pourquoi ça se passe à Noël, j'ai pas trop... Ah oui, j'ai pas compris. C'est ça. C'est un mix entre des trucs Marvel, qu'on aime pas forcément, et des téléfilms cucu de Noël, je sais pas si j'ai envie de voir. Mais oui, mais vous, c'est pas une référence que vous aimiez. Moi je veux savoir, dites-moi de quoi ça parle plus ou moins cette série. C'est un archer qui tire des flèches à Noël sur des sapins de Noël. Je sais qu'il y a un labrador ou je sais pas quoi dedans, je crois. Ouais, un œil en moins, je sais pas quoi. Ah, peut-être. Donc moi ça me donne pas envie. Après ça se trouve c'est super bien, mais... Ouais, bon je regarderai peut-être, on verra si c'est bien ou pas. Tu me diras si c'est bien. C'est pas cucu. Attends. Mode Noël du tout. La pub passe H24 à télé, oui, ouais. oui. C'est vrai. Disney Plus, là, ils en font de la pub. Hein. Qui d'autre a axé sur la relation à la famille? Ah ouais, mais bon, on n'a pas vu tous les films Avengers. C'est la série Hawkeye, okay, j'adore cette série, ça se passe 2 ans après Avengers 4. Ah oui, mais nous, là, pas du tout les références. C'est pas le gars dans Hansel et Gretel, désolé, je départ. Ah. Si tu parles de l'acteur, je sais pas, j'aurais pas te dire. Si tu parles du personnage, non. C'est pas du tout. Je pense qu'elle parle de l'acteur. Voilà, tu vois. Et Hansel et Gretel, voilà, et leur chien. ah oui, il a qu'un œil. Ah bah mince alors. Alors, en gros, Kate, amatrice et fan de hockey, va créer okay. des petits soucis dans son quotidien de père de famille. Ok. Oh, ça a l'air tellement bien. J'ai plus Disney Plus depuis un mois, je peux pas. Vous dire. Ah bah mince alors, Romain. Oui, il est dans Hansel et Gretel, l'acteur. Merci Bonnie pour Rocket. Attends, elle a changé de compte? Oui, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a fait. T'es parti, t'es revenu avec un autre compte? Ah bah là, c'est du OK. La lettre de Kenny. Letter Kenny, je crois que c'est un... Je sais même pas pourquoi j'ai foutu... Pourquoi j'ai foutu là-dedans? Bah quoi, c'est un film? Série? Je sais pas si c'est une série ou un film, j'ai pas souvenir d'avoir cherché. Donc on s'en fout, c'est un truc que personne connaît. Est-ce que quelqu'un connaît là-dedans? Ça doit parler quelqu'un de quelqu'un connaît ou pas? Et tout le monde s'en fout, je pense. Next. Ah, Ben ça, je l'ai refoutu dedans parce qu'ils l'ont réannoncé. Oui. Mais je crois qu'on avait déjà annoncé ces trucs-là. Hein. On peut zapper. Oui, l'acteur qui joue dans Hawkeye, il joue dans Hansel et Gretel, puis pour les fans Marvel, cette série est un peu importante. Ah ok, oh, en plus c'est des trucs à suivre, tout le monde, c'est bon. Non. Ah, je regarde
en grand avec le compte de mon homme et j'écris sur le tel avec... Oh mais attention, mais quelle organisation. Elle fait comme Caro et Amandine. C'est ça. Elles font sur double écran. C'est ça. Alors, The Mandalorian, on a le droit à des nouveaux gros goûts. Ah mais tu vois, en plus, il y a bien le logo Macy's en bas là. Oui. Macy's, pour ceux qui connaissent pas, c'est à Thanksgiving, c'est la parade de New York. Enfin, Macy's, ça doit être une marque, on sait pas du tout. Mais... On l'a regardé à la télé. Enfin, à la télé, on a regardé sur YouTube. Parce que la miniature, il y avait ballon. On l'a regardé. Oui, on a avancé. Il y avait un ballon Sonic qu'on n'a pas vu. Mais c'est emmerdant, la parade de Thanksgiving de New York, en fait. On a l'impression que c'est comme dans la course aux jouets, que c'est genre le truc trop. Oui, de la course aux jouets, il y a la parade de Thanksgiving. Oui, je me rappelle avec le char avec Turbo. En vrai, il n'y a pas de musique, déjà, limite dans la parade de Thanksgiving. Et t'as des fois une musique sur certains chars. C'est à souhait, en fait. Et t'as des espaces vides. En gros, ça dure 1h20, 1h30. Mais, franchement, la moitié du temps, il n'y a rien. Et les gens, il faut dire que ceux qui défilent, oh, ils sont motivés, hein. Mmh. Ouais. T'avais des gens avec des pompons, ils étaient comme ça. Alors la plupart, c'est que des marques, les chars, déjà. C'est des chars en de marques. Il y avait Disney avec un de leurs paquebots. Et il y avait, on parle de ça, parce que le gros goût que vous avez en bas à droite, il était exactement comme ça, en ballon, dans la parade Macy's Thanksgiving. Oui. Tu es trop enjoué. Il était comme ça, avec la petite balle de... Enfin, la petite, elle était énorme. Concrètement, ils ont fait un char avec un ballon géant comme ça. Non, il n'y a pas de char. Oui, enfin, ils ont fait un ballon de la pop de gros goût, et du coup, ils ont fait la pop du ballon de la pop de gros goût. Voilà. Parce que c'est le visuel tiré de pop à la base, le ballon. Parce que le ballon, oui, il a vraiment le visuel vraiment de pop, ça. De gros goût en trop. Trop chelou. Donc voilà, donc du coup, vous avez d'autres produits de Mandalorian. En gros, ne regardez pas la parade de Thanksgiving, c'est nul. Et on n'a même pas regardé jusqu'au bout parce que t'en as eu marre et il y avait une pub en fait, et du coup, t'as dit, oh, c'est bon, ça me saoule. Donc on n'a même pas vu la fin. Il ne me manque plus qu'une main et je dessine en même temps. Ah, bah, aussi. Heureusement, t'as pas une troisième main, autrement t'aurais une malformation. Ça a l'air génial dans les films. Ouais, dans les films, en fait, tout est collé, mais là, en fait, vous avez un char avec des gens autour. Mais moi aussi, quand il m'a dit, c'est la parade. Après, vous avez genre 2 minutes sans rien, vraiment, 2-3 minutes sans rien. Après, vous avez plein de gens, genre des pom-pom girls ou je sais, ou des gens qui défilent. Après, vous avez des gens qui tiennent, t'as 20 personnes qui tiennent un ballon géant. Après, 2 minutes de vide. Un char, 2 minutes de vide, des gens qui défilent, 2 minutes de vide, un ballon géant. Je pense que les gens ont compris, c'est des ultra relous. Tu sais, la moitié du temps, il n'y a rien. Et ça donnait, en fait, franchement, ça me donnait trop envie. Dans les films, ça a l'air d'être trop stylé, et mais finalement, c'est nul. En vrai, il faudrait que tout soit condensé, et c'est pas le cas. C'est ça. Et qu'ils mettent une musique dans. Voilà. Bon, ça, ouais. Je suis sûr qu'on les avait déjà montrés. Ouais, je crois. Je suis sûr. Mais pareil, c'est par rapport à Massis, machin, truc Thanksgiving. Massimilien. C'est pas trop mal. C'est un peu fluorescent, je trouve, mais... Thank you, next. Mais c'est pas mal. Ouais, on est d'accord, ça, c'est pas contre, mal. Ça, par contre, je crois pas qu'on l'avait montré. C'est des sacs en bas. T'as un mug, t'as... Un mini backpack. Un mug porte-clé, c'est quoi ça? Un luggage tag. Ah, le truc pour mettre son luggage, nom, là, pour les baggages. Oui, hein. Et c'est quoi le truc du milieu en bas? Parce que du coup, le machin cache. Un... Planquette. Ranquette. Plaquette. Jaquette. Je sais pas. Un truc quête. Un plaid. Ah, c'est un plaid. C'est un plaid. Tu vois, ça fait un carré. C'est un genre de plaid. D'accord. Et un bonnet. J'aime bien le bonnet. J'aime bien le sac. Oui, franchement, reste, là, pour le coup, les produits sont pas trop mal, je trouve. Sur gros cul. Mais non, il s'appelle pas gros cul. Ah, vous arrêtez avec gros goût. Il est trop mignon, mon gros. Non, c'est vrai qu'ils font bien. Qui a dit ça? C'est Rocket Girls. Bon, ça va. Ça passe. Mais non, mais il y a trop de trucs sur gros cul, gros goût. Elle a raison quand même. Ah, regarde. Cette pop est trop stylée. Ouais. On se demande qui c'est. Qui est cet homme mystérieux. Ce mystérieux personnage. Oui. On vous dira pas si vous n'avez pas vu la fin de la série. Saison. Mais on sait qui c'est. Parce que nous, on a vu. On ne vous dira pas. Pendant tout le truc, pendant tout l'épisode, enfin, ça a duré au moins 10 minutes la scène où il traverse tout le truc, il tue tout le monde, et je dis non, c'est pas lui, non, c'est pas possible. Et ça a fait son effet, quoi. Et après, image de synthèse, la gueule, effectivement, ils l'ont fait en image de synthèse. Ça a fait son petit effet. Ça a fait son effet. Pas de soucis, bonne nuit, Olympe.
Ensuite, bienvenue chez les ch'tis ou creek. Schitt's Creek. Moi, j'ai les ch'tis. Schitt's Creek. Schitt's une série, je crois, qui passe des fois sur je sais plus quelle chaîne. C'est d'ailleurs. Pas ça, une bombasse un peu, elle. Oh, bah, en pop, pense. Elle fait un peu bombasse. Non, la bombasse, c'est la Germaine. Mini robe, petite coupe avec couleur de cheveux dégradée. Si, je suis tout. Sûr, elle est canon. Elle est moche, mais bon. Qu'est-ce que cette bombasse. C'est une bombasse. Moi, je sais plus. Moi je sais, puis non. C'est moi je sais, puis non. Ah bah oui, il faut pas yes. dire. Chut. On dira pas que c'est un personnage qui existe chez Star Wars depuis très longtemps. De toute façon, tout le monde a vu. Alors. Star Wars. Ça, je crois, c'est Bad Bitch là. Bad Bitch. Bad Watch. Bad Bitch. Bad Batch, hein, si tu voulais dire le vrai truc. Bad Batch. Donc, je suis pas certain, je pue. En tout cas, il me parle pas du tout les bonhommes. Ah, il y a écrit 5 packs. Les bonhommes. C'est un pack de 5 personnes. Oh, ouais, ils sont tous réunis. Oh. C'est des exclus, mais c'est un truc exclu, mais c'est un pack. Perfect. Ils doivent tous exister séparément. Ah, Boba Fett. Ça, on est d'accord que c'est la future. C'est la série qui spin-off va. Spin-off machin de, oui. de Mandalorian. Bon, enfin, c'est pas un spin-off, hein, c'est juste bosser. Oui, mais c'est ce qu'on a vu à la fin. Oui, autrement, Mandalorian, c'est un spin-off des films Star Wars, dans ces oui. cas. Oui, bah oui. Bah, alors, ça peut être un spin-off dans Star Wars. Ah, c'est bon, tu m'as compris. C'est, ils partent. À la base, on les a vus, eux, là. Oui, c'est sur Boba Fett. À la fin de la truc. Voilà, c'est Boba Fett. Oh là, il me saoule, hein. C'est le Boba qui fête. Mais hâte de voir la série. Celle-là ? Ouais, ouais. On la regardera. Ouais. Si, on la regardera. Enfin, en VF, moi, c'est après, absolument. Stranger String. Strange. Ah, en gros, ils nous font la même chose que les Harry Potter. Voilà, ce sont des deluxe. Avec des décors plats. Mais bon, là, c'est plus logique, vu que c'est un mur, en fait. Ouais, c'est un mur et vous avez toute la guirlande lumineuse. Et il y aura la partie... Enfin, pas lumineuse. Ça fait pas 500 ans qu'on attend la nouvelle saison de Stranger Things, en fait, là. Si les gamins, ils vont avoir 30 piges. Mais maintenant. Non, mais il y a eu un incendie sur un des plateaux de tournage. Il y a eu le Covid et tout. C'est ultra décalé. Covid, ça me dit rien. Il y a une bande-annonce. Il y a une bande-annonce. Maintenant, il peint comme ça. Ça me dit rien. Il mue et tout. Ouais, salut, il y a des monstres. Wesh. Maintenant, ils ont 20 ans. Et pourquoi ils sont à l'envers, ceux du bas ? On va pouvoir les mettre à l'envers ? Ou quel est l'intérêt de nous les montrer à l'envers ? Bah ça se trouve, ils se font vraiment à l'envers. Parce que c'est le truc underground, underworld. Ah mais ça se trouve, ouais, ils sont vraiment à l'envers. Underworld. Underworld. L'été 2022. Ouais, mais on a le temps ! En même temps, je suis pas forcément pressé, parce que je pense que je vais être déçu encore. Ouais, ça commence à être long. Donc, faut que ça s'arrête. Faut regarder le faux Stranger Things français là, de Disney+. On l'a toujours pas regardé. Donc... Là, on a une vraie chase. Alléluia, merci, thank you. Thank you, Funko. Mais elle est sympa. Ouais, bah après, ça reprend... en fait, ça reprend concrètement la pop qui existe. Ah, mais Cindy... Et j'ai du mal avec la gueule, quand même. Cindy, on sait pourquoi ils sont à l'envers. La question est, est-ce qu'ils se posent vraiment à l'envers, en fait ? On connaît la série. Oui, on a tourné. Mais on sait pas si ça va se mettre à l'endroit ou à l'envers. On dirait Ralph... Mais en blond à droite. Ouais, le visage, les yeux et tout, ça avec fait la un mâchoire. Peu, à force de manger j'ai des Eggos, là. Une grosse mâchoire. Mais après, ouais, je préfère la pop, en fait, hein, dans l'idée. Hein. Bah, d'ailleurs, j'ai la pop, ouais. Comme ça. Alors là, c'est les fameux mini moments. Ouais. Mais sur WandaVision. Ah, mais ils en ont caché deux en bas. Oui. En fait, il y avait la même image qui a été annoncée quelques jours avant celle-ci, où il n'y avait pas celle en bas, enfin au milieu, à gauche. Je crois que ça a été encore pareil les époques, parce qu'on voit 50, 60, oui, 70. Ça va, bah oui, ça va être dans les époques. C'est sympa. Après, j'ai pas l'impression que ça marche vraiment, ces trucs-là. En tout cas, mais moi, j'aimerais bien en avoir, par exemple, sur Rick et Morty. Ah ouais, non, ça serait stylé d'avoir la maison de Rick et Morty. Ou là, pourquoi comme ça. Pas sur certains univers Disney. Ça pourrait être vraiment sympa, avoir un petit Mickey comme ça. Ou, Mais tu mettrais quoi comme décor connu ? Bah, tu peux mettre n'importe quoi. Ou je verrais bien Friends. Non mais je m'en fous de Friends, c'est bon, ça me saoule. Avec avec voilà l'appartement de Monica ou Non, j'ai dit Disney ou Rick et Morty. Au Central Perk. Au Central Perk. T'as une paillette là. Mais oui, j'en ai pas qu'une. Tu es brillant. Ah, c'est Agatha. Là, je la trouve déjà plus sympa. Elle est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Bon, on aime beaucoup le perso aussi. D'ailleurs, il y aura. Ça, on va regarder. Ah, ta gueule! Oui, il va y avoir un spin-off. Oui, là, du coup, c'est un spin-off.
de WandaVision. Je vais le défoncer, lui, hein, je vous jure, hein, il va pas finir le stream. Elle est super belle. Sur la bête, ouais, ce serait pas mal aussi les mini-moments. Avec les escaliers et tout. Ouais, avec la cuisine. Il y a de quoi faire. Hein. Ah, The Witcher. Toujours pas regardé cette série. Non, toujours pas. Je sais pas si j'ai. Elles sont belles, les pop. Ça me plairait. Pas mal. Ouais. De toute façon, à mon avis, ça me plairait, mais je sais pas. Je sais pas. On ne sait pas si on aimerait ou pas, mais les pop sont pas mal. Toi, je pense pas. Moi, peut-être. Moi, j'aime bien les pop. Ouh, elle est belle, celle sur le cheval. Regarde, elle fait du pouvoir de feu. Elle fait du feu de ouf. Ouh, l'autre, il a une guitare. C'est une guitare ? Ouais, c'est un djembé. Non, mais c'est pas à l'époque où il y avait des guitares. Si, c'est une pseudo-guitare qu'il a. Enfin, c'est pas une guitare, c'est un truc de Moyen-Âge. J'ai là. Vu quelques épisodes, mais j'ai du mal, c'est ultra gore. Oui, oui, mais ça m'étonne pas. Ah, mais ça me gêne pas. C'est un sorceleur en même temps. Et la pop, c'est pour la saison 2 qui arrive le 17 décembre. Mmh. Et encore The Witcher, oui, mais là c'est de l'ECCC. Ah, de l'ECCC, mais elle est pas verte. Il a une tenue je ne valide verte. Pas les pas vertes. Un peu gris vert. En même temps, le fond, il est pas vert. C'est vrai. Cool avec le cheval de Lily. La série est un peu lente par moment, mais ça se regarde en globalité. Moi, ça me dérange pas un rythme un peu lent. J'ai pas besoin que ce soit boum 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 boum. Voilà. Bonne série, beaucoup de sorcellerie, vous devriez aimer, même si c'est assez hard par moment. Ouais, bah, ça nous gêne pas, hein, ça, le hard. Ensuite, nous passons à Avatar, le dernier maître de l'air. Encore, j'ai l'impression que c'est la 500ème. Mais elle est stylée, hein. J'espère que l'effet translucide. Oui, il est très bon. Il est bien fait. On l'a vu en vrai sur une image et l'effet est vraiment bien. Waouh, je me rappelle pas que c'était gore. Ah, bon, bah ça va dépendre. Attends, elle a mis des smileys qui rigolent. Alors, c'était peut-être pas sérieux. Non, en fait. Peut-être que chacun, mais le côté gore, chacun le prend comme il veut. Hein. L'effet est pas mal autour, ouais, on est d'accord. C'est plutôt sympa, hein. Moi j'aime beaucoup. Mais elle est pas verte. Lui non plus, il est pas vert. Flanders au ski. C'est vrai, pourquoi avoir mis. Je comprends pas les thèmes par rapport à le CCC. Non, hein. Franchement, des fois. T'es sûr que c'était le CCC là ? Bah, il me semble que c'est ce qu'il avait écrit. Hein. Ah. Ah ouais, ça se trouve, ça a rien à voir. On était... Oh merde ! Il y avait bien du vert et c'est un fond vert. Oh, non, c'est pas vert comme ça d'habitude. C'est bah vert oui, mais c'est parce que c'est vert mais Noël. Ah. T'es fort. Bon, du coup, tu restes là-dessus. Je vais rechercher l'info et à cause de toi, on va ralentir le truc. J'en fous. Non, tu te tais. L'effet autour est pas mal. Ouais. Mais voilà, ECCC 2021, du 2 décembre au 5 décembre. Ah, mais ils sont débiles. Tu t'excuses devant les gens de, excuse pour moi, devant les gens. Pardon devant les gens. Ouais. Ils ont fait des petites fesses bien bombées au Flanders. Hein. Bon, ça doit venir d'un truc. Oui, pas, il est vraiment comme ça en Flanders. Je n'ai pas la ref. Pourquoi pas dans l'église ? C'est mieux, oui, c'était pour la ECCC. Merci, Freddy. Ensuite. Ah, du vert. T'es sûr que c'était une ECCC ? C'est, lui, c'est. C'est con, hein. J'ai. Comment il s'appelle, lui ? Oh, j'ai un gros juif, trou. Là. Oh là là ! J'ai un gros... Kyle ! Kyle, non. Si, c'est Kyle. C'est Kyle. C'est Kyle. Parce que Stan, c'est l'autre avec le bonnet rouge et bleu, là. C'est Kyle, mais... Le mieux, c'est sa mère. C'est quoi, ce... Elle est trop bien. Mais je sais pas, c'est déguisé en espèce de virus ou je sais pas quoi. Il écrit quoi dessus, tous des qui ? C'est-à-dire quoi, ça ? Dans... Mais je me souviens pas, c'est dans Decay, quoi ? Decay. Je me souviens pas d'un épisode, hein. Je sais pas. Ouais, non, c'est Kyle, Bonnie, on est d'accord, c'est Kyle, hein. Comment elle l'appelle, sa mère ? C'est une Carrie, il est déguisé en Carrie. Ah. Comment elle l'appelle, sa mère ? Mon petit boubou truc, là, boubou. Tooth Decay. Okay. Tooth Decay. Carrie. Ouais. Allez, on passe au suivant. Carrie. Le retour des Tortues Ninja moches. Carrie. 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 Ouais, donc ces trucs moches, vous allez voir, il y en a 3 sur 4, mais la quatrième a été annoncée genre début décembre, donc elle ne sera pas dans cette vidéo annonce. Quel dommage, vous aurez tellement voulu voir ces trucs hideux. Et encore, ils ont eu quand même cette petite intelligence de laisser le bandeau d'une couleur, parce que la boîte à pizza, elle a les motifs dessus, mais franchement... Mais pourquoi ça, ils l'ont pas mis à l'ECCC ? Qui c'est a vert. Sorti ça ? C'est vert, ils auraient pu le mettre à l'ECCC. Je sais pas, t'es sûr que c'est l'ECCC ? Je sais pas, hein, franchement, je suis pas certain. Voilà, moche. Tu sais ce qui me stresse, c'est celui qui est au niveau de la bouche, là.
Ah non, mais c'est... Stress. Tout est moche. Tout est moche, voilà. Il est moche aussi. Voilà. Personne n'en veut, tout le monde s'en fout, mais ils les sortent quand même. Et le quatrième, bon bah vous le verrez pas. j'ai fait un petit clip. Amandine, du... oh, ta gueule, no, c'est excellent. Comment. No comment. Le silence et le regard entre vous, je te jure. Ah, Dragon Ball. Ah, il y a du vert sur son truc là, sur sa lunette. Le gentil Sangowan. Ah, mes oreilles, ça faisait longtemps. Ah, pixelisé. Ah, pixelisé. Ah, les pixelisés. Alors, je ne sais absolument pas comment s'appelle ce perso. C'est Christian Cordula. Mais non. C'est Hercule. Mais non. Je sais que c'est pas lui. C'est Bou mâché. C'est Booba Fett. Bouchou de gomme mâché. Non, ça a rien à voir. Dodoria, c'est Dodoria. C'est Dodoria. Ah oui, voilà, oui, ça me revient. Oui, c'est Dodoria. Mais tu sais rien du tout. Allô. Dodoria. Non, mais allô. Je t'ai pas appelé. Allô. Jeux vidéo, du coup. Nous sommes in the video game. Allô. Bon, bah voilà. Vu qu'on... C'est pas du tout notre délire. Il y a une super size, en tout cas, qui est beaucoup plus grosse. Et un truc, on dirait un... E.T. Tu sais, les octopus, là. On dirait un octopus. Un Goa'uld dans Stargate. Pas du tout. Un Goa'uld... Hein ? Tu connais pas les Goa'uld dans Stargate ? C'est Méagol. Les Goa'uld, c'est le truc qui leur sort du ventre, là. Ça fait comme un serpent vert qui fait... C'est ceux qui ont les pins sur le front, là, comme le Black ? Ouais. Ah, t'as vu, je me rappelle d'un truc. C'est pas un pins déjà qu'ils ont sur le front. Si, ils ont... C'est une marque égyptienne. Ils ont un pins sur le front. Et en fait, tu sais, ça fait une ouverture en croix un peu au niveau du nombril. Genre, t'as un truc qui sort. C'est qui alien. Vit en toi, il contrôle. De toute façon, cette série, mais elle est tellement nulle à chier. Non, non. C'était emmerdant. Coucou, Eclipsia Life. Hello. Oh, je crois que j'ai bien dit en plus. Eclipsia Life. Ouais. Allez, 3 ans sur eux. Toujours Allo avec voilà. Des. D'autres blablabla. Mais arrête d'être blasé. Mais parce que tout le monde s'en fout de ça. Mais arrête, il y a des gens. Oh, t'es pas tout le monde. Diamant. Ah, Eclipsia Life. Bah non, Eclipsia, tu dis Eclipsia. Life. Ah, dis presque. Eclipsia. Oui, parce que tu apparais. Tu sais jamais dire des noms, toi. Ah, elle dit que tu te trompes, c'est un autocollant qu'il a sur le front dans Stargate. On veut Rondoudou, non mais il n'y aura pas de Rondoudou, Amandine, ils veulent pas nous en faire. Ils préfèrent nous faire plein de Pikachu dans toutes les poses possibles, Rondoudou, et dans toutes les couleurs Rondoudou, et toutes les branches possibles. En géant, là, je veux un Rondoudou géant. Alors ça, on dirait Jem. La coupe de cheveux. On dirait, franchement, on dirait Jem, les hologrammes. Na, en fait, non, c'est Joan Jett. Joan Jett. Magique. Mon nom est Jem, et pour tout ce que j'aime. Mon nom est James. Mais c'est la méchante, tu sais, on dirait la méchante. On est les nanas, misfits. Les misfits. Les misfits. On est Togepi. Ah, Togepi serait super sympa. Encore plus que Rondoudou. Non. Mais fuck. Akam, ah, Akam encore frappé, mais qu'est-ce. Attention Akam, boum boum. Arrête-toi. Ta-la-ta-ta-ta-la-ta-ta-ta. Merci Akam, à qui tu as donné un. Pourquoi tu l'applaudis, dis merci. Mais c'est pas à moi. Merci Akam, tu as donné un truc à Maria Bosnia. J'en peux plus. Regarde ce que tu lui fais faire, franchement. Ah là là, mais c'est fou. C'est... Il Allez, faut... Maria Bosnia. On sait que c'est Noël, mais il faut t'arrêter. Maria là. Bosnia, il faut que tu te. Il faut t'arrêter. Il faut que tu réagisses et que tu remercies sans message. Est-ce que la personne était là, au moins présente là? Voilà, allez. Merci beaucoup. Allô, ouais. Maria Bosnia, on t'a pas lu depuis tout à l'heure. Non, parce qu'elle doit. Elle est là, tu vois, elle fait un truc à côté. Elle écoute, elle n'écrit pas, etc. Mais on a le droit aussi. Bah alors, c'est quoi? Mais c'est, j'ai dit Joan Jett, c'est une chanteuse. Ah. Mais c'est Jem les hologrammes. Ah, John Lennon. Oui. Lui, il est connu. Tu sais, c'est quoi son fruit préféré? C'est le citron. John Lennon. C'est nul. C'est nul, ces lunettes sont très moches. Mais tu dis et ça. Et c'est au moins la... Mais tu te rappelles pas à ma boutique, enfin dans notre enseigne, quand on avait la citronade, la basique citron, ça s'appelait John Lennon. Ok. Elle s'appelait la John Lennon. Lemon. D'accord. Après dans les... Attends, il y a quoi? Lemon. Après non, c'est nul. Genre l'été glacé, c'est genre Hasta la Vista Baby. On avait quoi? Oh, je sais même plus les noms. Des noms pourris. Maria, du coup, juste une petite question, mais vraiment tu réponds honnêtement. C'est parce que t'aimes pas mettre des messages. Parce que moi ça m'intéresse en fait, les gens qui regardent les...
les streams mais qui mettent pas forcément de messages, c'est parce que t'oses pas, c'est parce que t'as pas forcément envie, ou voilà, c'est... Mais il y en a, pour eux, les streams, c'est comme la télé, ils regardent et tout, ils veulent... Oui, mais l'intérêt, quand, surtout quand t'es en direct, c'est aussi de réagir, enfin... Ouais, mais il y en a, ils veulent pas. Pas. Après, non, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, on aime bien quand même avoir des petits... La réponse D. John Lemon, c'est nul. Bah oui, mais bon, Bonnie... Bah, tu diras ça à l'enseigne Yogurt Factory, qu'ils arrivent de mettre John Lemon. C'est nul, mais tu ris Greg à sa blague. What? À la réponse D. Mais c'est moi. Oui, mais si j'ai posé la blague, c'est parce que je vous avais déjà la réponse. Donc forcément, je rigole à mon truc nul. Machine Gun Kelly. Ah, ça, je l'ai envoyé à mon frère en mettant « Oh, regarde, une pop de Pink ». C'est qui? Mais je savais que c'était pas ça. C'est un homme ou une femme? Gun... Non, c'est un mec. C'est un mec? Enfin, bon, tu sais que maintenant, voilà, les genres, voilà, mais... Non, c'est... A priori, c'est un musicien, quoi. Ok, elle est stylée la pop quand même. J'aime le côté, tu vois, genre, ouais, je saute, ouais, j'ai Mais elle est stylée, ça coupe. Alors, en vrai, je sais pas si elle est stylée, mais en pop, elle est stylée. Alors, je crois que j'ai vu justement pop par curiosité, Pink. j'ai regardé par curiosité et ça ressemble pas vraiment à ça. Mais j'aime bien quand ils font de l'effort de mettre quelque chose. Ouais, non, moi. Putain, mais je t'avais pas viré ta paillette là? J'en ai plein de paillettes. C'est Arrête les d'être dans le monde de. C'est les bougies, j'en ai foutu partout. Les 12 princesses là. J'ai fait sûrement en même temps. Lucky Charms. Ah, c'est... J'aime bien vous regarder comme une émission, mais je réagis un peu. Ah non, mais si tu fais comme tu veux, hein, Maria Bosnia, ne t'inquiète pas, si tu veux pas réagir, tu ne réagis pas. Ah non, vraiment, non. On va te détester, c'est pas grave. Non. Attends, t'as tout à fait le droit. Maintenant, sache que, ouais, on te le dit, puisqu'on profite là, vu que tu as mis un message, n'hésite vraiment pas si t'as un truc à te dire, mais même une critique constructive et tout, tu n'hésites surtout pas. Ah bah regarde, je fais comme surtout Maria Bosnia, bonsoir à tous. Lexa Youth, oui. Lexa, on va dire. Lexa Youth, bon, très bien. Non, mais c'est gentil. N'hésitez pas. Je vous lance des confettis. Si, il y a deux personnes qui nous regardent et qui ne commentent jamais, qui viennent de commenter. Mais je me dis, mais comment vous faites? Vous devez avoir envie de dire, mais arrêtez, vous êtes fous, mais fermez vos gueules. Ouais, c'est ça, les viewers. Allez, manifestez-vous tous. Vous êtes combien en ce moment? Vous êtes 27. Je veux 27 messages dans la minute. Non, manifestez-vous. Ouais, on va faire un appel. On va faire un du. Qu'est-ce qu'il veut? Spiritisme. Oui. Allez, vas-y. On appelle les comment elle a dit les on les appelle à tous les esprits viewers de l'ombre, viewers de l'ombre, venez à nous, mettez un message, un petit smiley, une germaine, s'il vous plaît, venez à nous, ce que vous voulez, un prout, esprit de l'ombre, allez, on veut au moins un autre alors prout, quelqu'un présent, qu'on n'a pas vu depuis tout à l'heure, n'ayez pas peur. Coucou, je suis allez, là, on vous invoque par l'esprit des sœurs Halliwell. Mais... bon bah ça n'a pas marché, hein. Voilà, on a prout. Mais non, mais Rocket Girls, un prout. Mais les gens qui n'ont pas mis de message du tout, qui mettent pas de message. En tout cas, vous mettez des paillettes. Oh, t'es adorable. Regarde, mets des paillettes, des confettis paillettes. Mais on n'a pas de paillettes, c'est des confettis. Mais on dit que c'est des paillettes. Ta-la-ta-ta, pour moi, c'est ça. Ah, Daminou, oui, mais Daminou, tu mets des messages des fois, toi. Mais oui, Daminou, on te voit des fois. Je vous en ramène une autre. On l'a invoqué quand même, allez. Voilà. Tenez-vous tous à main, on a... Prout, l'INSEE. Alors quand... Alors là, quand on vous demande de alors, dire on est prout... d'accord, dans les prochains streams, si on dit on invoque les viewers, faudra marquer prout maintenant. C'est devenu le truc. Merci Rocket Girls. Alors, il faudrait qu'on trouve une animation prout, tiens. Voilà. Ça, la soirée des prout. Ça peut se faire. Ouais, facilement. Facile. Même en direct, on vous le fait, le prout. Il y a l'euro de Brenda, si tu veux, mais bon, c'est pas... Il faudrait un prout, ce serait plus drôle. Il est où, son gros? Le prout est quand même... Tu parles de ça? Bah oui, mais c'est pas un prout, ça. C'est si rafraîchissant. J'ai dit, c'est un rond. Il est très bon. Voilà. Bon, on a pas de prout. Le prout est quand même au-dessus du rond, on est d'accord. Il faut trouver un prout. Ah, celui de Crystal Bouvier, tu sais? Une vidéo d'un de nos chiens qui pète. D'un de vos chiens, des nôtres. Non, mais nôtres. Mais on les entend. Ils pètent des fois, hein, mais c'est rigolo. Mais c'est pas la c'est légende, vrai. En tout cas pour nous, là, non. C'est vraiment des petits proutes qu'ils font et des fois on les entend pas non plus. Ou c'est un petit vent. C'est mignon. Ils sont très polis quand ils pètent, nos chiens. Ouais, franchement, c'est mignon. Ça a fait japper ma chienne, ce rond.
C'est malfaisant par contre, Laurent. Malaisant. Malaisant. Moi j'ai vu malfaisant. Oui, oui. Et malfaisant aussi, mais. Alors Lucky Charms, c'est le personnage coup, de céréales. Est... Voilà. Avec son arc-en-ciel, on en voit plein. Du coup, on a vu. C'est quoi la différence? Ah, il y en a un, il mange une céréale et l'autre il mange un bol de céréales. Putain, t'as intérêt à avoir la chase. Hein. Parce que sinon, radin sur la classique. Putain, méga radin. Oh, la mascotte de Play-Doh. Et il a le truc, tu sais, qui il a un pantalon vert. Mais attends, Play-Doh sur la marque, il a un chapeau rouge et là, il a un chapeau bleu. Tu vas attendre un petit peu, monsieur Poupon, parce que juste après, tu as la version classique. Voilà, tu es content, mais il a un pantalon vert quand même. Ah oui. Qu'est-ce que c'était bien, la pâte à modeler. C'est ma faison. Et donc, il a le truc qui fait... qui coupe les pizzas, là. Non, mais les messages, et comment... Ah, il y en a qui aiment vraiment, qui mangent les... Ça coûte la peau du cul, tu m'étonnes. J'avais un pékinois tout petit, mais l'odeur horrible. Ah, mais c'est... la taille du chien ne fait pas que l'odeur est plus ou moins... Ouais, ouais, on te confie. On parle trop de proutes. Alors, ce truc-là... I'm so sorry, mais c'est, je crois, un jouet de base qu'ils ont fait en version pop. Mais il me fait flipper, on dirait un truc. Un poisson mélangé avec une, un homme de caverne. Un moai, là, tu sais, les... Un moai les, bah oui. Non, les moai, les statues les de Pâques. Ouais. Mélangé avec, je sais pas, un... Un totem. Un elfe. Ah non, tu sais, le truc dans le premier Harry Potter qui va dans les toilettes, là. Le basilic. Un troll. Ah. Mais non, le premier Harry Potter, un basilic. Y a pas de génial. Petit mais costaud. Ok Romain, ciao ciao. Bon prout à toi aussi. Bon prout. Bah, il écrit prout. Bon prout à tous. Donc voilà, quand il y a écrit un truc marque Toys, je sais pas quoi, donc voilà. Oh, mais attends, Toys R Us, c'est pas en train de fermer partout? Non, ils ont racheté Toys R Us France, ça a été racheté par La Grande Récré. Non. Pickwick. Pickwick quelque chose, je crois, non? Pickwick. Pickwick. C'est un homme poisson, ouais, c'est ça, voilà. Oui, oui, on dirait ça. Bah, c'est la girafe, mais en déguisement de Robin. Donc, on la trouve que chez Toys R Us. C'est... Ok. Ah, c'est un robot, ok. Et mais en plus, c'est... Pickwick Toys, ah, oui. Voilà. C'est écrit en français et en anglais. Pickwick Toys, merci, ouais. Hello, Roliag. Le petit modo, avec un petit cœur. Parce qu'on a parlé de prout. On a parlé de prout que t'es venu ou tu pop comme ça, mais je crois que t'aimes pas, tu t'en fous des annonces Funko. Après nous avons Transformers. C'est marqué Canada, oui oui oui, c'est en français parce que c'est du coup Québec, enfin surtout pour Québec. Tabernacle. Désolé, mon canadien est très mauvais, mon québécois. Mais en fait ton québécois c'est du français. C'est con quoi. Transformers, on va jamais s'en sortir avec les Transformers, mais... Ah. C'est bon, j'ai fini. Ensuite, c'est le tiki-taki. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais la SDCC, on avait déjà parlé au moins le mois d'avant, voire celui encore avant. Mais allez savoir pourquoi. Oh, ils ont dû se dire, mince, on avait oublié d'annoncer ça. Officiellement. Les concons, c'était déjà passé. C'est la mascotte de la Comic-Con. Et donc, en version robot chelou et en version... Il est trop stylé, celui-là. Carton, on dirait un carton. Mais non, c'est du bois en haut. C'est en mode bois, Grégo, pas moi carton. Je trouve, on dirait du carton. Tu sais, c'est les totems, là, les trucs moi, genre... Moi, je trouve qu'on dirait du carton. Oui, je m'en fiche, je passais juste faire un coucou. Oh, t'es trop mignon, mais aussi... Bah, What? Vaspasirt? Vaspasirt? Oh... Attention, ta-la-ta-ta-ta-la-t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 a
Alors, il est pas très beau et on va le passer c'est très pas vite ouf, parce que c'est on s'en fout. Alors oh, à non, nouveau ces ça, trucs gold, gold. Donc la dernière marque là, enfin dernière truc gold de Funko qui est en mode bah, des trucs de sport, mais ils ont fait aussi des trucs de musique. Oh, c'est super. Donc là on a sur la NBA, on a une tonne. Je trouve ça très très vilain. C'est toujours aussi moche. Ils ont des énormes pieds, des corps disproportionnés. Vous verrez que ils ont fait. Alors ils ont annoncé au début du mois de décembre, donc je l'ai pas mis. Mais il y a les TLC, le groupe de trois meufs là, périmé là, des années je sais pas combien. En comme ça. Et du coup c'est un peu différent le style, mais bon c'est pas ouf je trouve. Oh bah il y en a plein d'autres encore, hein. Oui, je crois le encore. Basket, que c'est laid, c'est trip ultra méga voilà, laid. Encore là on les voit mieux. Oh, du coup, regarde mais... les grosses chaussures. Les chaussures elles sont plus grosses que la tête quoi. Et Disney. Là on arrive sur Disney. Oh, on arrive sur Disney. Alors attendez. C'est quoi déjà ça, vous en voulez encore? Vous en voulez encore? Merde, attends, c'est quoi? Ah, attends, Cindy, on ne sait pas, t'as dépensé trop. Quelqu'un a dépensé des sous. Attention, c'est ding, pas la blague. Ding. Attention. C'est pas la blague, vous en voulez encore? Oui. Vous en voulez encore? Alors. Attention, elle a dépensé pour une blague. Attention, la blague de qualité, en plus j'en ai une en tête. Ah bon? C'est une devinette. Mais ils sont où tes blagues? T'as bah, pas fait parce une que j'ai blague. Pas préparé, donc je. Ah bah je crois qu'il avait préparé des blagues. Mais si, il y en a, mais il faut ouvrir le machin. Mais ouvre-le, c'est pas j'en grave. Ai une. J'en ai et une j'en... en tête. Ah. J'en ai une en tête. Attention. Quel est le. Attends, faut que je me trompe. Quel est le fromage qui fait le plus mal aux oreilles? Quel est le fromage qui fait le plus mal aux oreilles? Ah oui, mais c'est que des blagues pourries, hein. Le brie, oui, le Roquefort. C'est le Roquefort, évidemment. Merci, merci, au revoir. Alors, on va quand même ouvrir parce que je sens que... Le Roquefort, mais c'était nul. Bah oui, mais c'est que des blagues pourries. Et je t'emmerde. Il nous manque des bruitages. Hein. Mais oui, en fait, il nous faut des bruitages. Il faut des... Bah écoute, tu sais, si tu t'ennuies un jour, tu chercheras le son et tu le rajouteras dans le deck. Moi, m'ennuyer, je ne m'ennuie jamais. Alors normalement, j'avais mis quelque part, mais comme. Ah mais comme. T'as cru que Kaka va nous redemander, va repayer pour une blague? Ah, je suis sûr, ouais, je suis sûr. C'est peut-être ça. C'est quoi ça? Ah oui, il y a un truc texte sur le drive, je crois. C'est de toute façon, je suis sûr que tu l'as supprimé. Ah bah, il comme un goré. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce bon, que ça ne, n'utilisez pas vos sous parce que sinon on est dans la merde. Bah, on va sur Google et on tape une blague pourrie. Hein. Mais j'en ai déjà. Aussi haut que le mien, ouais. Ça sert à quoi les pièces? Bah, les pièces, vous pouvez dépenser des trucs. Alors, vous avez quoi? On va expliquer. En fait, à chaque fois que vous venez sur les streams, plus vous êtes régulier ou autre, plus vous allez cumuler des piécettes. Et les piécettes, ça sert à différentes choses. Réexplique à quoi servent les piécettes au cas où. Bah, non, parce que je suis en train de chercher le truc, donc tu meubles. Ah, c'est dans Twitch. Ah, blague nulle. Bah, c'est bon, tu peux expliquer. On va pas refaire une blague dans l'immédiat. Je me dis, mais c'est quoi qui brille là-bas? Je suis sûr que quelqu'un va dépenser 3000 euros. Oh non, oh my god. Notre blague nulle, c'est toi qui la liras. Donc, du coup, vous avez. Vous pouvez avoir des trucs. Alors, soit vous pouvez débloquer les emotes. Alors, en gros, il y a que Germaine. Ça débloque Germaine si vous l'avez pas. Vous pouvez mettre votre message en surbrillance, là. Voilà, si vous voulez absolument qu'on voit le message. Mais de toute façon, on lit tous les messages, donc ça sert à rien. Vous pouvez, pour nous soutenir, qu'on balance une petite pub que potentiellement vous ne verrez pas d'ailleurs, mais voilà. Donc ça dure genre 30 secondes. Vous pouvez lancer un sondage si vous avez envie de demander aux gens du chat un avis sur un tel truc. Hop, on arrête, vous nous donnez votre sondage. On le lance et puis comme ça les gens votent sur ce que vous voulez. Achetez une super blague, vous avez vu quand même que ça vaut, hein, ça vaut bien 3000 piécettes, franchement. Si vous avez envie qu'on ferme notre tronche pendant, je sais plus, je crois 2 minutes, il me semble. C'est pas intéressant. Merci pour l'abonnement. C'est 5000 et après pour être VIP, mais je pense que tous les gens ont envie d'être VIP et économisent leurs piécettes pour avoir, mais c'est bon. Comme ça, après, vous avez le petit diamant. C'est quand même 50 000, donc bon. Merci Akam. Ah, mais Akam. Ah, mais Romé, Non, ça va en saxo, là. Saxo. Je te jure, il nous faut une animation de Joséphine et de ce truc-là. Mais ce truc-là, ça va nous copyrighter après.
Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez tout et on pourra rajouter potentiellement des trucs à la base. Je voulais qu'on rajoute des trucs genre. Mais attends, on doit porter à la 14 000. Je voulais genre on doit porter une perruque, des trucs comme ça, mais il faut. Il faut déjà avoir une perruque. Des grosses lunettes moches, des voilà. Porter des gants de Mickey ou des trucs. En plus, c'est pas du cul les gants de Mickey à Disney. Non, t'es fou toi. Faut aller à AliExpress. C'est les trucs locaux. Faut aller sur AliExpress. Non, les trucs locaux. C'est les trucs qui puent et cancérigènes. Dans les outlets et tout là. Y a voilà. Pas une case pour que quoi? Attends, là j'ai lu un truc avec mon prénom. Pour que Jimmy se la ferme, non? Ah non, se calme, ouf. Si, bah c'est 5000 piécettes, voilà. 600 vents, bon écoute, tu as le temps, tu peux économiser un petit peu, mais c'est. En fait, plus vous venez régulièrement. Ouais, il y a des bonus si en fait. Pas, y a des bonus si vous venez à tous les streams, si vous en manquez pas. Ou et après, les gens qui sont abonnés aussi, si, ça. S'ils mettent des messages, ça fait aussi des bonus? Oui, en mettant des messages, en. En réagissant en fait. En étant follow aussi, en. Et en fait, de temps en temps, vous voyez une petite icône là où vous pouvez écrire un message avec un petit cadeau et vous cliquez dessus, ça vous rajoute des points aussi, des piécettes. Des piécettes. C'est la case mute, oui. Mais audace. Voilà, si un jour, effectivement, on peut. Caroline, j'ai 26... Mais attends, Caroline, elle a plus qu'Amandine. Peut-être qu'Amandine avait utilisé, non? Je sais pas, je crois pas. Voilà, quoi. Je peux vous faire ce que je veux, je suis une déesse. Je teste des trucs, audace. Alors, on en était à Disney et... Mais là, c'est la version Amsterdam, c'est ce que je fais, là. Je l'enlève, c'est bon. Je ne comprends pas. Attends, ils font un nouveau Robin des Bois. 31 700, Freddy. Ils nous font un nouveau Robin des Bois. Visuellement. Mais moche, c'est comme le Balou. Ouais. Ils refont des pop plus récentes et plus modernes de Robin des Bois, mais ils nous le font en mode art dégueulasse. Les gars, on le veut en normal. Enfin, nous, on s'en fout, mais il y a des gens qui le veulent en basique. Non, mais arrêtez de vous foutre pourquoi de ma gueule. Pourquoi non, Dimi, stop. Parce que je fais que de chanter. Ah, mais je suis déchaîné. Par contre, j'adore Robin, mais là, c'est nul. Ouais, c'est de la merde. Franchement, c'est qu'il la fasse en vrai, en fait, et après qu'il fasse le vieux délire. Robin, il est super vieux, il coûte peau des fesses. Ça vaut la peine. C'est bien qu'il refasse Prince Jean aussi, parce que voilà. On a une Jasmine pour les trucs. Pour le CCC. Ah, il me fait chier avec son carré. une Jasmine dorée avec accompagnée de son pins moche. Mais ça, pareil, j'ai pas compris le délire. Le pins est vilain à souhait. Mais même la Jasmine, elle est pas ouf, je comprends pas l'intérêt. Elle existe déjà, non? Ah non, elle a pas le truc dans la tête. C'est comme la Dancing Princess en fait, mais en. Ah non, peut-être pas. Ah, je sais. Si, je crois. Elle est pas sortie. Non. Si, je crois que c'est ça. Ah ouais. Mais peut-être. Franchement, c'est pas. Fou. Voilà, c'est bof, on est d'accord. C'est ouais, bof. Trop belle. Ah, ils aiment bien. Après, ils ont le droit d'aimer. Ah! Attends, faut qu'on lance une pub basse. Oh my god, ah, Moni a lancé une pub, ne partez pas. Ah, mais c'est vrai qu'on ouvre jamais le truc de Twitch. Bah non, parce que personne n'utilise les pièces en fait. On va rappeler à chaque fois les pièces. Non mais il faut mettre d'autres trucs plus drôles pour les pièces. Ben ouais, ça va devenir un bordel à force. Tu trouveras tout des. Tout le monde va dépenser. En fait, normalement, on peut aussi programmer des animations, tu vois. Y a pas un truc de transformateur de voix? Oui, mais moi, c'est trop chiant d'aller dans les trucs compliqués comme ça. Moi, j'y arrive pas. Mmh. J'ai pas envie de passer 20. Faudrait de l'hélium comme ça. On parle avec de l'hélium. Oui, mais quelle bonne idée. Je regarde vos messages depuis mon téléphone à la place parce que. Alors, on a tenu juste à. Ouais, bof, la pop elle passe, mais le pins non. Attention, vous allez avoir une pub très bientôt, les gens, parce peut-être que Bonnie a dépensé. La plupart ça dépend. Des, la plupart alors, des ceux qui ont le diamant, pas. Peut-être, ou ceux qui ont l'abonnement aussi. Ah oui, ceux qui sont abonnés ne la verront pas, et les autres peut-être, ou peut-être pas. Des fois, c'est comme si c'est comme ça. Patati et patata. Gestionnaire de stream. En fait, d'habitude, je le préparais, mais en fait, comme. Personne, tout le monde économisait les piécettes en mode oulala, blou. Bah du coup, voilà. Ok. Where is the pub? I need to know. Là. Ah, c'est 30 secondes. Bon, ça va être... Et bon, bah écoutez, patientez. Hein. On va patienter un ch'tiopeu. Petit. Vous nous direz ce que vous avez eu comme pub. Enfin, je sais pas s'ils m'entendent. La pub est lancée ou pas? Non, c'est pas lancé, je crois, encore. Oh. Ah si. Bon, ouais. 30 secondes. Ceux qui n'ont pas la pub, vous avez de la chance. Vous pouvez me voir faire le boogie woogie. Mais non, ça dure plus longtemps. Après, on va l'arrêter. On fait nos radins d'habitude, lol. L'amour a conquis les flammes. Ah, elle pensait que c'était une pub. Pub chargeur de batterie. Unissons-nous dans le bonheur.
T'as pas de pub, bah t'as le boogie woogie pour attendre. Boogie woogie, boogie woogie, le quoi? Boogie woogie, boogie woogie, le quoi? Quoi? Le boogie woogie. Je vois le boogie woogie. C'est pas grave, la pub elle est finie, mais on continue. Un peu Fortnite. Donc oui, c'est pas tout le monde qui a la pub, je sais pas pourquoi, voilà, c'est comme ça. Donc, super, merci, mais un boogie woogie qui va durer 20 plombes avec les meufs qui sont plus qui soufflaient. Une pub Rockstar, Energy et Lenovo. Voilà, on vous a fait patienter avec le boogie woogie pendant la pub, pendant une page de publicité. Merci, en fait les pubs, faut savoir que ça nous permet de... C'est mieux que la pub le boogie woogie. Ça nous permet de gagner de l'argent, entre guillemets. Oui, enfin. Des centimes. Des centimes. Des petits centimes. C'est des centimes. Après, c'est surtout. C'est toujours des centimes. Si tout le monde dépense pour mettre 50 pubs dans le même stream, oui, ça, devient, vois, ça devient des dizaines de centimes. Et tu fais que ça, que des pubs. Et à force, on pourra peut-être s'acheter une fraise tagada à la boulangerie. À la personne qui tombe sur le live sur le boogie woogie, la personne elle part direct. Hein. Ben non, justement, elle reste. Bon, on continue. 4 cm DR, voilà. Merci Funko pour cette image de qualité. Oh là là, quel fond magnifique, dégueulasse. Sincèrement, moche. Franchement, donc, ils vont nous sortir toutes les princesses là avec une robe métallisée moche. Elle, ça va. Mais elle, c'est moche. C'est vraiment moche. Ah, c'est hideux. Ah, le pin, c'est toujours aussi dégueulasse, hein. Franchement, il faut qu'ils nous appellent, hein, cher ami créateur et créatrice, faut aller faire un petit tour parce qu'ils savent pas faire des pins. Ah non, mais sincèrement. Pire qu'à Disneyland. Quelle horreur! Quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Un sac avec une tête de pop de Jack. Oh my god, que c'est moche. C'est très laid. It's very, very, very moche. La pose est belle, oui, mais elle existe déjà, la pop, comme ouais, ça, en fait. Elle existe déjà, en fait, la pop d'horreur, comme ça. Ça, it's very, very moche. I don't understand. Beautifulment moche. Ça se dit pas, mais je voulais... Le pire. Oh. Le pin, c'est affreux. Ah non, le pin, il était dégueulasse. Regarde ce pin, c'est affreux. Ouais. C'est juste visuel, mais en pop. Oui, on avait l'augmentation des pins à Disney. Donc déjà, ouais. C'était pas... voilà. Qui a dit ça? Amandine. Ah oui, et ouais, j'ai même dit, je crois, à Sissy Poppins que si ça continue, le tarif des créateurs sera au même prix que ceux de Disney. Ouais. Et elle m'avait répondu. Enfin, sachant que la qualité et en plus, les créateurs, c'est bien plus beau que ceux de Disney. Mmh. C'est vrai. Alors, on a les Olaf et on est hyper déçus de ces pop parce que la plupart n'existent pas comme ils sont faits sur les visuels. Oui, c'est vrai. Alors, je crois qu'il y a encore écrit visuel non définitif ou je peut-être sais pas quoi, voilà. Concept modifié, final. Mais en fait, effectivement, dans les courts-métrages, Olaf, il incarne bien tous ses personnages. Mais genre, en Ariel, il a pas les bâtons sur les cheveux, là, les bâtons cheveux. Il les a pas en rouge. Non. Il a pas de queue de sirène. Non. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'il y avait pas en génie, je crois, il est le pas génie, bleu. Le génie, il est pas autant comme ça. Tous les trucs, c'est complètement modifié et pour que ce soit plus reconnaissable, en fait. Mais... Et puis, il n'y a pas Ursula, quoi. Il n'y a pas Ursula qui est juste le plus drôle. Funko sort de moins en moins de choses intéressantes pour mes goûts. Mais je pense que c'est un peu tout le monde pareil. C'est-à-dire, on est plus exigeant aussi à Cam. Je pense qu'il y a de ça. Mm. Et on a de moins en moins de place, etc. C'est pour juin 2022. Les papes oh, bah, on a mais le temps. What? On a le temps. Bon. Hop. On s'est lassé, c'est exactement ça. Ça, ouais. Franchement, ils sont trop beaux. Alors, voilà, là, c'était ce que je disais. Les sodas, autant je suis d'accord pour dire que c'est pas ouf, ouf. Mais alors là, c'est sûrement parce que ça va bien au personnage. Mais je les trouve, je les veux, direct, je vous le dis, je les veux. C'est... Elles sont magnifiques. Et je trouve que du coup, la chase de Karl, c'est mignon. C'est oufissime. En enfant. Alors, je préférais franchement ne pas un peu dommage que Russell, ce soit un peu moins sympa la chase. Mais c'est vrai que Karl... Ça va encore, il a sa petite map et tout, avec oui, son air non, un non, peu non, je suis d'accord, coquin, c'est là. Pas nul. Je trouve ça moins bien. Trouve, mais... C'est tellement stylé l'autre. Moi, je les vois déjà avec la maison ballon derrière Pop, du coup. Parce que la proportion, elle serait encore plus stylée. Et j'adore, mais je trouve ça trop beau. Il est trop beau. En fait, ce qui est bien, c'est que ils sont hyper reconnaissables. En fait, limite, on dirait pas des figurines de Vinyl Soda, on dirait les vrais persos, limite. C'est ça que j'adore. Presque. Et même au niveau des canettes, que je trouve déjà très sympa, il y a le côté, du coup, Karl qui est un peu plus vieilli, rétro dans les et couleurs. Dessiné, et l'autre qui est super pétant, Russell. Non, et je trouve que c'est canon, 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 canon. Alors attends, on va remonter parce qu'il y a eu plein de messages, du coup.
Attends, on s'est lassé. Oh, non, on s'est lassé. Ah. Non, non, vas-y. On s'est lassé, effectivement. Il y a beaucoup de pop, c'est ça. On se lasse à voir les beautés. Oh, bizarrement, elles sont belles, les sodas. Voilà. Je les aime trop. Là-haut, j'adore. Là, c'est mieux. Bah ouais, sympa, les sodas up. Je suis choqué, j'aime pas les sodas habituellement, mais tu as raison, Greg, ça leur va trop bien. C'est comme le Mickey moi, en c'est, soda qui c'est est mon, trop beau. C'est mon coup de cœur, en là, vrai, dans ça les dépend annonces. Des moments. Ouais, c'est exactement ça. Ça dépend des moments, surtout Carl, il est trop beau. Je vais essayer de prendre Carl en chaise en trichant la Vinted. C'est ça. Je veux Carl et la chaise, mais c'est ça en fait. On veut trop les deux duos. Ces sodas sont sympas, Carl est bien représenté. Il est super beau. Oui, boîte Carl, stylé, vintage, excellent. Il a une vraie boisson. Non, c'est pas une vraie boisson, la figurine. Maria, en fait, la figurine, c'est elle même va pas dedans. Une vraie, c'est même pas une vraie canette, hein. C'est une boîte. Enfin, ouais, j'ai la voix. Attends, va montrer, on l'avait déjà fait, je remonte. On a la Roger Rabbit qui est vraiment magnifique. Il a interdit ça parce que vu que c'est moi qui lui ai offert. Non, elle est vraiment belle. Elle est plus belle que la pop. Ah non, mais je l'adore. Nous, on a attends, celle-ci. Pas sans, comme ça. Ah, oui, on revient après. On a le Roger Rabbit qui est vraiment magnifique et la canette elle est comme ça et en fait la canette elle s'ouvre sur le elle se déroule elle s'ouvre sur le dessus et dedans vous avez le petit carton qui vous dit si vous avez pas la rare parce que en gros celle-ci c'est il y en a une sur 8400 il y a une numéro enfin c'est pas une numérotation mais non. Ils vous disent combien il y en a dans le monde c'est ça et il y en a 8400 et pour la Chase c'est pareil elle est trop mignon. Et il faut savoir que les vinyles soda. Ah, j'ai trop bien fait ma. Bah attends, il y a écrit 8400 alors qu'il y a écrit 10000. Oui, mais je crois que c'est. Mais oui, avec le reste 8000... du monde. Non, 8400 normal et. Ah, et le reste en chase. Voilà. Et des fois, vous n'avez pas le même nombre et le nombre change selon si c'est l'Europe ou les États-Unis. Voilà. Des fois, ça. Vous avez même ce nombre qui varie. La couleur change aussi. Sur la canette aussi. Et ça, c'est vraiment pas mal l'idée. Voilà Maria du coup et pour les autres qui étaient intéressés par la Mickey Steamboat est magnifique aussi. Franchement, oui, il y en a quelques-unes elle sont vraiment il y en a mal. Vraiment qui sont bien, qui sortent du lot. Voilà, Daminou, voilà, t'as la Harley Quinn. Non, il y en a, elles sont vraiment sympas. Ah, la celle-ci, elle est vraiment belle. Le Roger Rabbit, j'adore trop. Elle est jolie celle-là aussi, ouais. Mm-hmm. Parfois, la Chase est moins belle que l'original. C'est très oui, souvent oui. Même. Je même dirais. Dans les pop, ça arrive beaucoup. Arrive. Mais de rien, de soucis, avec hein. Plaisir, avec plaisir. Donc, annonce Funko. Chut. Hop. Et ben en fait c'était fini c'est la dernière annonce. On a là voilà je vous ai mis de le États-Unis. Donc pas grand chose hein, quand vous voyez en fait franchement moi perso j'ai aucun coup de cœur là-dedans et tant mieux ça, parce c'est que États-Unis. Ouais. Il n'y a pas tant que ça de figurines. Des fois il y en a beaucoup plus. Non il n'y a pas eu beaucoup d'annonces hein. Franchement. Et chez voilà. Nous alors là c'est France. Non là c'est Canada parce que bon voilà je pense à nos amis, si, nos amis du Québec. Des Canadiens parmi nous. Manifestez-vous. On invoque. Et alors là trop bizarre c'est pour l'Europe. Ils ont juste mis tout ce qui allait être partagé. Bah vas-y, avance. Ils ont juste mis ce qui a été partagé en gros sur le. Sur Funko le Europe. Funko Europe. Ah, il y a sûrement d'autres pop qui vont arriver dans certains magasins. Bah ouais, mais Fnac, j'ai cherché, il n'y a aucune autre info. Peut-être pas. Si je suis passé à côté. Peut-être mais... pas. En même temps, c'était pas. Et le truc là, machin guitare colorée là, on l'a pas vu hein, par contre. Hein, donc je ne comprends pas. Hein, leur ah, j'avoue, là, ils nous montrent une pop. Attends, elle était sur la version américaine ou oui. Pas ouais. Alors ouais, voilà, y a, ça c'est on le problème de Funko. On l'a sur pas Instagram, eu. Sur Facebook ou autre, quand ils communiquent, des fois, ils oublient des pop et quand ils mettent le récapitulatif d'une convention, on le voit dessus. On voit cette pop et ils l'ont pas annoncé sur le visuel avant. Donc c'est hallucinant quoi. Ça arrive très souvent. En ce moment, ça arrive très donc, très souvent. Donc voilà. C'est moi, mais il y avait ça, cette pop aussi. Je comprends pas, c'est quand même une grosse boîte qui sont très présents sur les réseaux sociaux et compagnie. Ouais, et mais il y a des oublis. Il y a faire un petit problème d'organisation. Au carré, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Et ça on a fait le tour, les c'est, gens. C'est fini de toutes les annonces. C'était vraiment pas mal. C'est fini. Il y avait quand même pas mal de choses. On a tenu quasiment deux heures. Une heure et demie. Deux heures. Une heure et demie, pardon. Mais on a fait plein de conneries. Hein. Entre le prout, entre la session de spiritisme et entre la publicité et. Les abonnements, enfin il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Nous on a, ouais, parfois, ouais, ça on a lu. J'en ai qu'une, c'est Chucky en normal en soda. Ouais, mais elles sont pas mal, hein, franchement. 6 mois pour Flanders. Ah, toi t'as bien aimé Flanders. j'ai la Bebop et Rock Steady en soda, ils sont sympas, je trouve. Il y en a certaines qui sont vraiment bien. Ouais. Hein.
Ils sont dispo sur le Funko Europe. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, j'ai bien aimé les pop Harry Potter, puis les dernières là-haut en soda. Ouais, trop bien. C'est des bons choix. Sur Twitter, ils mettent tout, Funko. Oui, mais en fait, Funko, ils mettent tout sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Mais des fois, ils oublient un visuel. Comme des fois, ils mettent un visuel, mais dégueulasse, avec pas de fond, sur un fond blanc. Des fois, il n'y a pas les logos, il n'y a rien. C'est trop bizarre. Je vais vous laisser, les gens. Les gars, 3h du matin demain, bonne soirée. Ouh. Bah, oulala, oui. Et bon courage. Ah oui, tu te lèves dans pas longtemps, au final. Dors bien. Bisous les garçons, me lève tôt demain. Bah, mais pas de soucis, allez pas. Cassez-vous tous là, au revoir. Oui, c'est gentil de prévenir. Encore une fois, rien que je ne souhaite, mis à part les sodas là-haut. Ouais, elle est trop bien la soda. Ah non, mais moi j'adore. Là, il est passé très vite. Comme d'hab, ça passe super vite. On parle de trop. J'ai la bouche hyper sèche. Je retiens juste la Harry Potter Gringot. Le reste, alléluia, ça ne m'intéresse pas. Eh bah tant mieux, ça va faire du bien au porte-monnaie. Oui, il n'y a pas grand chose, hein. À part le vinyle soda de là-haut. Les deux, ouais. Franchement. Pour moi, c'est post-Funko. Ouais, tu l'avais dit. Tu l'avais dit, ouais. T'as raison. T'as bien raison. Ah, voilà. Pour moi, Carl Soda, j'espère un beaucoup Carl Soda. Hein. Elle va beaucoup revenir, je pense. Mais non, mais c'est cool. Franchement, je pensais que ça allait être un peu nul en termes d'annonce. C'était pas trop. Enfin, il n'y avait pas plein de trucs extraordinaires, mais il y a quand même deux, trois petits trucs sympatoches à voir. Ils me surprennent tout le temps, quand même, dans le sens où il y a toujours énormément d'annonces. Il y a quand même de la matière. Chaque mois, ils arrivent quand même à sortir beaucoup de choses. C'est un énorme truc. C'est énorme, quoi. Ce serait rien pour nous, lol. Bah, tant mieux aussi, Sydney, tu vois. En fait, on regarde les annonces, mais on n'achète pas. Ça permet juste de voir, on dit bah tiens, il y a peut-être un truc ou pas, et bah il y a rien des fois. Mais voilà les gens, voilà pour ce stream du week-end, du dimanche soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec toutes mes conneries et toutes tes conneries aussi. Surtout les tiennes, hein, pardon. On se renseigne pour Noël MDR. Oh, mais non, mais je suis hyper en décalé là sur mon téléphone. Mais au plaisir, Bonnie. À mon avis, mois décembre, des Spider-Man pour le film, c'est possible. Bien possible. Merci pour le stream. On voit, c'est Greg a raison, le nombre qu'il... C'est fou, hein. Ça pop des pop. Les usines, elles doivent... Hein. Le planning, bah non, en fait, les gens, il n'y a pas de planning ce soir. Parce que celui-ci, il n'est pas à jour. On n'a pas fait de planning. Parce que on va vous révéler quelque chose de oufissime. Non, pas de oufissime. Pas de soucis. Bonne soirée, Rocket Girls. Non, Freddy, effectivement, on ne se retrouvera que dimanche prochain. Et pas jeudi, pas vendredi. Parce que je reprends le taf et que j'aurai un peu moins le temps en ce moment. Et pour toi, avec le taf, c'est un peu compliqué aussi. Et qu'on préfère pour le moment... Pour le moment, ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus du tout en semaine. Non, mais qu'on se retrouvera. On va dire que là, pour tout décembre, en tout cas, on fera pour que décembre, le dimanche. Ce sera que des streams de dimanche. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on fera un truc. Et on verra ensemble à ce moment-là. Voilà. Enfin, on en reparlera sur Insta, on vous dira ce qu'on fait. Mais voilà, vous nous retrouverez pour le moment sur le reste du mois de décembre, en tout cas, que le dimanche. En plus, vous êtes plus nombreux le dimanche, c'est encore plus sympa pour papoter. C'est ça. Et puis voilà, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on se dit? On lit les derniers messages en mode instant love, et après on va se laisser. Moi la semaine prochaine, Disneyland, bah nous on y va le 20 décembre. Trop bien, ça trop bien. Ça approche aussi. Ça marche les garçons, une petite pause d'une semaine, c'est bien pour vous. Bah, alors un peu plus du coup, mais... Enfin une semi-pause, ouais. Voilà. C'est ça. Du coup, bonne reprise du taf, merci Freddy. Ça va, je suis de repos mardi en fait, ça va aller, ça fait qu'une journée de boulot après repos. C'est noté donc à dimanche les garçons. Mais oui, à dimanche. Merci pour ton sub. Hey, merci JB. Attends, on remet un poup. Oh le bordel, regarde, ça fait Rami. On va rien. Poup. Merci. Un vrai merci bordel. Merci beaucoup JB, c'est adorable. Vous faites bien. Bah, oui. Voilà, ouais. Oui, bientôt, mais oui, bientôt Disney, ça approche. Bonne soirée, bah voilà. Ah, t'as dépensé pour la pub. Oh, bon, on a l'arrêté. Bah c'est pas grave, on va lancer une autre pub pour finir ce stream. On va lancer la pub. On va finir ce stream, on vous fait des bisous.
et on va finir en lançant une petite pub. Et on se dit à très bientôt pour ceux qui verront la pub, et ceux qui ne la verront pas, bah tant pis pour vous. Mais il faut qu'on reste encore. Mais oui, on va rester sur les 30 dernières secondes. On va pas partir direct. Mais oui, plein de bisous, passez une bonne soirée, très bien ceux qui travaillent, profitez bien ceux qui ne travaillent pas. Et puis voilà, on attend la fin de la pub et après on vous dit bye bye comme d'habitude. Gars, on fait les petits cœurs. C'est les cœurs qui arrivent et qui montent comme ça, cœur. Qui partent et qui reviennent. Non, ils sont partis. Ah, pourquoi j'ai ouvert ça? Avec la souris. Avec la souris. Putain, c'est vraiment relou ça. Ah! Un jour, on va faire je sais pas quoi, on va ouvrir un truc, ça va être la rage. C'est marrant, Greg et Demi sont à côté pendant la pub, en fait. Ah bon? Ah, c'est vrai? Vous nous voyez genre un petit et tout, mais vous entendez pas? Bon, bah, c'est que c'est la fin de la pub, alors. Eh ben, on se fait des bisous, les gens, et on se dit à très bientôt. Ta, ciao, ta, merci ta, à ta, vous. Ta, na, ta, 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 ta. Ta 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 poum 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 cling. Et tu as pas fait. We'll be right back.